Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Roland, salut Roland, merci du partage, c'est très 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 cool. Bon, alors, ce soir, ce sera beaucoup moins théorique. C'est moi ou la galaxie a bugué là? Il y a un truc bizarre. Ce soir, ce sera beaucoup moins théorique. Dans le sens où... nous allons faire quasiment que du CLI, c'est-à-dire des commandes sur un terminal. Sur un petit terminal. Pour mettre en place un réseau Bitcoin, un nœud Bitcoin avec des réseaux... avec des nœuds LN pour faire un réseau, j'appelais un réseau de paiement. Comme d'hab, j'essaie de trouver un titre qui parle. Voilà. Réseau de paiement, c'est pas vraiment très juste, mais bon. Ça va dans le sens que l'on voudrait exprimer. La musique du début, au fait, c'est un... c'est... Awa Odori. C'est un truc... comment dire, un événement... enfin, c'est ensemble. Le titre, en tout cas, il est en rapport avec un événement au Japon. La danse des fous, la danse d'Awa. Groupe de jazz des années 70. Très très bien. Les Japonais faisaient du très bon jazz dans les années 70. Beaucoup inspiré par les Américains et pas mal, un peu européen. C'était cool. Salut Defcott Python, Hacher. Bah, en parlant d'Hacher, on va hacher des trucs sûrement là. On aura du hash de paiement et compagnie. Du vrai hachage. Moi je vais très bien. Je vais très bien. Et vous, comment allez-vous ? Julien, salut Julien. Hey Julien, ton marque-page. Enfin, pas, c'est pas un marque-page, c'est un... je sais pas comment appeler ça. Un séparateur de pages ou je... Eh ben, il me sert, hein. Là, j'utilise pour maintenir le livre en place. Il me sert bien, là. Là c'est bien. Salut Quentin. Salut Quentin. J'espère que tu t'es pas trop empâté de ton McDo. Ton McDo que tu n'as même pas payé. Enfin que... Oh, voilà, t'as compris. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc voilà, on va faire, on va mettre en place. Ah oui, point important. Je comptais éventuellement le faire sur mon nœud directement, là, cette partie-là. Donc mon nœud LN avec Bitcoin, mais je n'ai pas fini de télécharger la blockchain. D'ailleurs, on va regarder un truc, là. Il y a un truc qui m'inquiète, il va falloir que... il va falloir que je fasse quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas. Danger, danger. On va faire donc du CLI... mais pas sur de la prod, c'est-à-dire pas sur le mainnet Bitcoin. On va pas manipuler des vrais Bitcoins avec de la vraie valeur. On va travailler sur le rectest Bitcoin, ça s'appelle. Donc vous savez, sur Bitcoin, et en fait la plupart des crypto-monnaies marchent comme ça. On va dire il y a trois niveaux de réseau. Le principal qui s'appelle le mainnet. Le mainnet, c'est ce qu'on appelle le réseau de prod. C'est là où vous allez échanger de la pure valeur, quoi. Genre sur Ethereum, le mainnet Ethereum, vous allez échanger des Ethers qui ont de la valeur sur les marchés. Sur Bitcoin, bah c'est pareil, etc. Il y a le testnet. Donc testnet, vous travaillez avec un vrai réseau, c'est-à-dire qu'il suit vraiment le protocole. C'est le vrai protocole de base. Sauf que dans ce type de réseau-là, les jetons n'ont pas de valeur. Voilà, ils n'ont pas de valeur, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des faussettes qui vont vous distribuer... vous distribuez des jetons, etc., gratuitement, ou parfois même pas gratuitement, d'ailleurs, en étant payant, ça s'appelle des faussettes, il y a des faussettes payants, mais bon, la plupart du temps, distribués gratuitement. C'est bien pour tester des contrats en pseudo-prod, ou en terminologie un peu plus tech, on appelle ça un environnement staging. Staging, c'est un peu, c'est une référence au lancement de fusée. Vous savez, les fusées elles se séparent en plusieurs morceaux lorsqu'elles sont propulsées. Et il y a la phase de staging. Bon, ça vient de là, je pense. Et ensuite, le troisième niveau qui est le rectest. Ça s'appelle rectest. Si vous avez déjà fait... bah alors, si vous avez suivi la formation que j'ai fait sur Ethereum et que vous avez utilisé Ganache, bah Ganache, c'est du rectest pour Ethereum. Et rectest, le principe, c'est d'avoir comme une crypto-monnaie avec son protocole normal... mais avec un minage beaucoup plus simplifié et beaucoup plus rapide.
En l'occurrence, sur Bitcoin, je crois que c'est genre un bloc qui est miné toutes les 10 secondes sur le regtest. Donc le regtest, c'est vraiment pour avoir un environnement local en général, sur lequel on va faire des tests. Et testnet et mainnet, ce sont en général des environnements publiés qui se retrouvent sur, je vais dire sur Internet, c'est-à-dire que vous pouvez connecter avec des nœuds tiers, etc. Regtest, en général, ça va être uniquement local. Donc, nous allons faire, enfin, nous allons travailler sur du regtest, du coup, parce que, et ça, j'y avais pas pensé, pour faire beaucoup de tests, si on travaillait directement sur testnet ou mainnet, par exemple, le fait d'alimenter un portefeuille Helen, il aurait fallu attendre 10 minutes et plus pour faire les transferts de Bitcoin, etc. C'est un peu laborieux, donc du coup, le regtest, ça va être très bien. Donc on aura un nœud, un réseau local sur lequel on va pouvoir expérimenter des choses autour de Bitcoin et de LN à moindre frais, rapidement, avec beaucoup d'amplitude et pouvoir tout tester du coup. Hein. Concrètement, ça veut dire ça, pouvoir tout tester. Par exemple, si on veut tester les cas de tricherie, etc., ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, on va partir là-dessus, regtest, environnement local, avec des containers Docker. Je vous décris rapidement, hein. Les gens qui connaissent ici Docker, etc., tant mieux, c'est bien. Si vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, j'écrirai rapidement ce que c'est. Alors là, pour le coup, je simplifierai à outrance, mais bon, ça suffira pour capter un peu ce qui se passe. Ça suffira pour capter ce qui se passe, et c'est ça qui est important. Alors du coup là, on verra plus le livre, il n'y a pas vraiment de raison. Salut Comcom. Donc nouvel écran, c'est parti. Alors mon terminal, ça va, il marche bien. Je l'avais pas trop testé en fait, c'est pour ça que je découvre qu'il marche bien. Bon, c'est une très bonne nouvelle, je suis très satisfait qu'il marche bien. Nouveau. J'ai remis à jour l'environnement pour dessiner. Je vous le montre comme ça, si j'utilise, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous verrez que c'est un truc pour faire des schémas. Je ne sais pas si je ferai des schémas, mais voilà, il pourra servir à ça. Prendre ça. Hop. Une couleur comme ça, jaune. Écrire travers, donc, et son écrire droit. Ah, donc j'utiliserai éventuellement pour faire des schémas. Hein. Ça, je verrai s'il y a besoin. Je pense qu'il y en aura éventuellement. Ah, ouais, alors j'aurai un réglage plus tard à faire. Enfin, un peu chiant, mais je le ferai. Hop, bon, on verra si je fais des schémas. Je sais pas s'il y en aura. Ok, donc on continue le livre, chapitre 4, mise en place d'un réseau LN, concrètement, mise en place d'un réseau LN, réseau de paiement Bitcoin LN, je l'appelais comme ça, sur un regtest, comme je l'ai évoqué au début, et sans plus attendre, c'est parti, 12 minutes de monologue, on bat des records, c'est très court, on va à l'essentiel. Si mon son est trop fort au micro, vous me le dites. Parce que ça, je peux pas vraiment l'écouter, je peux pas vraiment savoir si c'est trop fort ou pas. La musique, je vais un peu la baisser et on va commencer. Voilà. Bon, commençons à rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc petit point un peu théorique, mais là maintenant ça, on va plus être sur le livre pour l'instant. Vous me direz si vous voyez pas assez bien l'écran, parce que je peux le mettre en full screen. J'aime bien cet écran, pour le style, pour le flow, vous voyez. J'aime bien avoir cet écran là. Je peux le mettre en plein écran pour des questions de praticité si jamais vous ne voyez pas bien cet écran. Ou alors, quoi qu'il arrive, je peux toujours zoomer. Voilà. Donc, petit point
on va dire, un peu théorique, mais qui est intéressant à noter. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Attendez, je vais l'ouvrir maintenant. Bitcoin D, Bitcoin Core, GitHub. Je vais l'ouvrir un petit coup là. Alors, il y a une différence quand même à la manière dont la manière est fait Lightning Network et la manière dont a été fait Bitcoin. En tout cas, sur la première approche, les deux ont été conçus avec un point de vue quand même différent. Bitcoin, faut bien comprendre que Bitcoin, donc vous connaissez tous le livre blanc de Bitcoin. Le livre blanc de Bitcoin, en réalité, c'était la genèse de l'idée pour faire un réseau de paiement qui protège du double spending. C'était ça le gros problème du paiement en ligne, du paiement totalement numérique. C'était de régler le problème de double spending. Et c'est ce que Bitcoin a solutionné très principalement. Hein. Il y a d'autres approches, mais en tout cas, principalement, c'est ce que Bitcoin a solutionné. Et ce livre blanc, c'est pas vraiment une spécification. C'est pas comme un livre de recettes. C'est juste quelque chose qui évoque le concept. C'est l'initiateur du concept. C'est tout. Ce livre blanc-là, ce n'est rien d'autre que ça. Sur Bitcoin, il n'y a pas eu de spec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le standard sur comment on implémente un protocole Bitcoin. Il n'y a pas eu de spec. Le spec de Bitcoin, c'est directement le projet Bitcoin Core. Voilà. C'est directement Bitcoin Core. Alors, il est possible de redévelopper Bitcoin Core dans d'autres langages, mais pour le faire, il n'y a pas de spec. Il faut refaire à peu près... faut revoir les mêmes logiques qu'il y a dans ce code-là, donc de Bitcoin Core. Et on ne peut pas ajouter de features, sinon ça ne pourra pas marcher. C'est-à-dire que là, donc, on a Bitcoin Core qui a été développé en C++. Moi, je veux faire un autre Bitcoin Core qui est développé, par exemple, en Golang, qui est un autre langage. Si je le fais, donc déjà, je suis obligé de suivre comment lui a été fait, de respecter strictement et rigoureusement. Mais en plus, je ne peux pas ajouter de nouvelles features au niveau du protocole. Sinon, je ne pourrais pas, ce que j'aurais développé, mon code source, ne pourra pas s'intégrer sur le mainnet Bitcoin parce que ce sera considéré comme un autre protocole. Donc si je ne respecte pas les features propres à Bitcoin Core, vous savez que tous les BIP machin, là, les BIP 32, BIP 39, etc. Là, si je ne respecte pas ça, je vais créer un autre protocole qui ne sera pas reconnu comme Bitcoin. Donc en fait, mon truc, on ne pourra pas l'utiliser pour Bitcoin. Ce sera finalement autre chose. C'est comme si j'aurais fait une autre crypto-monnaie. Donc voilà, faut parfaitement suivre les features de Bitcoin. Important. Par contre, pour LN, ça a été pensé différemment. LN, il y a des specs. Les specs s'appellent le Bolt. Bolt pour Basis of Lightning Technology. Voilà. Et le Bolt, donc c'est réellement des specs. C'est-à-dire que on peut... Mais comme pour Bitcoin Core, on peut faire des LN avec d'autres langages, comme pour Bitcoin Core. Mais la démarche pour faire des nœuds LN, donc des services nœuds LN, dans d'autres langages, dans tous les langages informatiques, si vous voulez, peu importe le langage en réalité, en tant que c'est un langage serveur, je ne vais pas rentrer dans les détails, il suffit de suivre les specs, donc tous les specs qu'on voit là, je crois que c'est une liste exhaustive d'ailleurs, peut-être pas, hein, je ne suis pas sûr à vérifier. Il suffit de suivre les specs à la lettre, comme pour Bitcoin Core. Bitcoin Core, faut suivre comment ça a été fait à la lettre, mais sur Lightning Network, on peut ajouter des features au niveau du protocole. On peut ajouter des features sans que ça fasse un autre protocole que LN. Ça restera un protocole Lightning Network. C'est la grosse différence entre Bitcoin, la manière dont il a été fait, et dont a été fait le Lightning. C'est pour ça que du coup, on a plein de projets différents sur les implémentations Lightning Network. Il y a plein de projets différents et chacun a une approche qui est quand même relativement différente. Alors nous, on va tous, enfin pas tous les voir, je dis une bêtise, on va pas tous les voir, on va en voir quelques-uns, les plus, les majeurs, on va voir les majeurs, les implémentations majeures. Alors, en long, en large, j'en sais rien en tout cas, mais on va tous les voir à peu près. Je peux vous promettre ça déjà, c'est déjà pas mal. Et voilà, donc ça c'est le petit point Culture G Lightning Network qui est très intéressant à savoir. Donc nous, ce qu'on va voir, donc pour rappel, hein, le livre que je suis, que vous avez vu dans les lives derniers, sous la caméra, vous savez, quand vous voyez le texte, etc. Ce livre-là, il est disponible en numérique gratuitement, hein, c'est un livre vraiment open source, il est dispo gratos. Et vous pouvez le trouver sur le lien GitHub ici.
Le lien est dans la description hein, sous le live, donc vous pouvez le récupérer. Et tout ce que je vais faire d'ailleurs, ça vient du livre. Hein. Ça vient du livre, donc vous pourrez retrouver tout ça. Et moi j'en suis ici, on en est ici. Part 1, Lightning Node Software. En gros, on va faire tout ce qu'il y a là-dedans. On va faire tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire du coup pendant ce live ? Nous allons mettre en place un réseau LN avec différentes implémentations LN, mais qui vont dialoguer entre elles. Parce que, encore une fois, pour rappel, on peut faire différentes implémentations de LN avec des features. Donc, quand je dis features, ça veut dire fonctionnalités. Avec des fonctionnalités différentes, mais ça reste un protocole LN. Ça veut dire que ces nœuds, malgré qu'ils aient une implémentation différente, peuvent dialoguer entre eux. Très important à noter, ils peuvent dialoguer entre eux, c'est-à-dire qu'entre eux, ils peuvent créer des canaux de paiement, etc. Tout ce qu'on avait vu avant. Ça fonctionne très bien. Donc, première implémentation, c'est Lightning. Donc, implémentation de Lightning développée en C, le langage C. Donc, les mecs sont motivés hein, pour développer ça en langage C. Enfin, ils sont motivés, ils connaissent surtout très bien le langage. Donc, implémentation en C. Alors, j'aime bien ce qu'ils disent, is a lightweight, donc c'est un léger. Je sais pas ce qu'il va dire par léger, voilà. Ça m'a intrigué, je peux pas chercher plus loin, je sais pas exactement ce qu'il va dire par léger. À mon avis, il doit y avoir des fonctionnalités qui sont allégées, quoi, un peu dans l'idée. Ça doit être ça. Et ça, c'est intéressant. Highly customizable, ça veut dire qu'il est vraiment très customisable. Dans le sens, je pense qu'on pourrait ajouter des features assez facilement. Donc, ajouter nous-mêmes des fonctionnalités sur lui. Si on est développeur, si on a l'aspect technique. Ce n'est pas un truc accessible à tout le monde, comme ça, hein. Qui suit évidemment le standard compliant, donc le BOLT, le B-O-L-T, le standard de LN, les specs de LN. Moi j'appelle ça des specs. Hein. C'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas j'aime bien appeler ça des specs. Donc voilà, intégration en C. Une autre intégration qui est, moi je considère que c'est celle de base, et si je dis pas de bêtises, c'est la première qui a été faite. À vérifier, mais je crois que c'est la première qui a été faite. Implémentation, donc, protocole LN, qui s'appelle LND. LND, en général, le D, très souvent, veut dire daemon, qui veut dire service sur Linux. Implémentation en Golang, je crois. Attendez, je vais vérifier. C'est écrit quelque part. Normalement. Ça a changé GitHub ou quoi, là ? Il n'y a pas le langage qu'on voyait en haut ? Ah, c'est peut-être écrit là. Non, pas écrit. Ah, voilà. C'est là. Vous pouvez voir les langages en fait sur les projets GitHub, hein, vous voyez ici. Quand c'est majoritairement un langage ici, actuellement là c'est Golang. Bon voilà. Il a été développé donc en Golang. Golang, pour vous faire très court, c'est une forme de C remis au goût du jour. Alors C, c'est un langage assez historique qui existe depuis très très longtemps, le langage C. Qui est un très bon langage pour des performances, mais son problème c'est qu'il est assez complexe, et si on n'est pas vigilant, ça peut vite partir en vrille, quoi, quelque chose développé en C. Golang, c'est C, mais un peu remis au goût du jour, qui a été développé par Google, initié en 2000 quelque chose, assez récent, quoi, voilà, qui ressemble beaucoup au C, et qui est assez performant aussi, voilà. Donc du coup, LND, pareil, une implémentation de Lightning Network, évidemment, hein, de toute façon, il n'y a même pas besoin de le dire, c'est évident, pour que ce soit un protocole Lightning Network, il suit nécessairement les standards, hein, ça c'est nécessaire. Donc voilà, là c'est intéressant, donc il est connectable avec BTCD, donc intégration de Bitcoin Core, avec une intégration de Bitcoin Core, une autre. Bitcoin D, qui est Bitcoin Core ? Bitcoin D, en général, c'est Bitcoin Core. Quand vous voyez Bitcoin D, bah voilà, c'est la base, c'est le premier qui a été fait, c'est vraiment Bitcoin, là. Et Neutrino, qui est une autre implémentation, une autre approche de Bitcoin Core, que je ne connais pas assez pour en parler. Donc voilà, LND, assez polyvalent et à la fois assez simple à l'utilisation. Donc quand je dis assez simple à l'utilisation, ne vous attendez pas à avoir une interface, de toute façon on va le voir, c'est vraiment de la ligne de commande. On est vraiment sur du CLI, donc il faut être à l'aise techniquement. Pas besoin d'être développeur d'ailleurs, n'importe qui a déjà fait de l'administration système, etc., qui a déjà tapé des commandes sur un terminal, normalement devrait pouvoir se débrouiller à travailler avec un peu avec ces solutions-là. Ok, LND, bon, moi LND c'est celle que j'ai sur mon nœud. Pour rappel, j'ai un nœud Bitcoin ici et j'ai un LND sur ce nœud. Je vais regarder d'ailleurs.
Get info. Bon, je le ferai plus tard. Alors, ma blockchain, elle se télécharge. Donc, point blockchain, hein, ma blockchain se télécharge très lentement. La semaine dernière, non, mercredi, pardon. Mercredi, au live dernier, on était à 71%, mais on est toujours à 71%. C'est dramatique. Il va vraiment falloir que je regarde ce qui se trame, parce que je télécharge vraiment beaucoup trop lentement. Bon, voilà. Donc du coup j'en étais où? LND, donc c'est celui que moi je favorise, en tout cas que je connais mieux, qui est développé d'ailleurs, enfin en tout cas parmi les développeurs, il y a lui là, Roasbeef. Et Roasbeef, attention, information d'élite, information aristocratique, c'est le nom que l'on voit ici. Attendez. Voilà, c'est le nom que l'on voit ici. Ola Olua Ozuntokun. C'est lui, Roasbeef. En fait, Roasbeef, il travaille sur LND. Vous voyez, d'ailleurs, on le voit là. Ola, hein, c'est écrit ici. C'est lui. Donc lui, il travaille sur LND, ce gars-là. Donc, voilà. Et donc, c'est un des co-auteurs. À mon avis, c'est même un auteur principal, un auteur principal. Parce que forcément, il connaît très très bien LND. Du coup, s'il connaît très bien LND, ça veut aussi dire qu'il connaît très bien Lightning Network et l'implémentation. Donc voilà. Et l'autre implémentation, Éclair. Alors là, vous allez me dire, mais on connaît l'app Éclair, l'application Éclair, avec laquelle on peut faire des nœuds, des paiements avec Éclair, des paiements sur le LN, pardon, avec l'application Éclair, Éclair mobile, ou alors Phoenix de A5. Mais Éclair, avant tout, c'est une implémentation aussi de LN, voilà, qui s'appelle Éclair. En général, ils l'appellent Éclair Server, pour bien différencier de tout le reste. Donc bon, maintenant, ils l'appellent Éclair, mais avant, en tout cas, ils l'appelaient Éclair Server, c'est quelque chose, c'était une notation qu'on voyait de temps en temps. Et donc, développé en Scala, Scala, un langage que je connais assez peu, mais qui semble très très bien, avec une approche, voyons voir un peu quelle est leur approche à eux, s'il y a une approche un peu spécifique. Ah, je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire ce qu'ils ont de spécifique dans leur approche. Mais je sais qu'ils ont une approche assez... qui se différencie pas mal. Ah, j'en connais une. J'en ai une qui me revient en mémoire, là. Vous savez, quand on fait un nœud LN, on doit créer un wallet spécifique pour ce nœud LN. On recrée un portefeuille. On a besoin d'un autre portefeuille pour ce nœud. Éclair marche directement avec un wallet qu'on a déjà créé pour le nœud Bitcoin. Vous voyez, moi, dans mon serveur, là, dans mon nœud Bitcoin LN, j'ai deux portefeuilles, en fait. J'ai un portefeuille pour mon Bitcoin Core et un autre portefeuille pour LND. LND, en gros, il demande à ce qu'on crée un autre portefeuille. Éclair, eux, travaillent directement avec le portefeuille Bitcoin Core. Voilà, c'est un petit détail intéressant à savoir... je sais pas si ça change grand chose honnêtement, forcément c'est un petit impact côté sécu, mais voilà. Et une autre implémentation que je connais pas du tout, je viens de la découvrir, parce que eux ils l'ont listé là, voilà, j'ai découvert une implémentation de Lightning Network, encore une fois en Rust, donc Rust qui est un excellent langage, qui est pas vraiment comparable à des langages déjà existants. Il a une approche quand même qui est vachement différente. On pourrait dire que c'est un C++ boosté aux stéroïdes, quoi. Un peu ça, le Rust. Et Rust, aujourd'hui, il fait partie des langages les plus performants. Hein. Franchement, c'est assez balèze ce qu'ils ont fait. Sachant qu'on peut, en faisant ce qu'on appelle des benchmarks, on peut savoir quels sont les langages qui sont réellement performants selon certains usages. En tout cas, Rust, balèze. Un langage balèze. Mais à la fois, qui est relativement complexe, et qui a tendance à se complexifier au fur et à mesure des nouvelles features dans le langage. Bon. Voilà. Donc, on va pas voir celui-là. Rust Lightning, on va pas le voir. On va voir, donc, à peu près. Hein, on va pas les voir en détail, mais on va voir essentiellement, je vais dire. Implémentation Éclair Server, implémentation LND, implémentation Lightning. C'est Lightning. Ouais, ils l'ont appelé Lightning, mais c'est Lightning. Ok. Je bois un petit coup et nous allons commencer à taper dans le terminal.
J'espère que le micro est pas trop fort parce que des fois j'ai l'impression qu'il tend vraiment vers le rouge. Si jamais ça sature, vous me le dites. Hein, parce que là, j'ai un petit doute. Le baisser là. Hop. Allô, allô. Ouais, ça a l'air pas mal. Bon. Bon, j'espère que vous voyez bien à l'écran. Moi, je pense qu'on voit bien hein, ce que... Ça m'a l'air pas mal. Et de toute façon, je zoomerai s'il y a besoin. Allez, sans plus attendre, nous allons nous amuser avec tout ça. Alors attendez, je feuillette le livre, parce que je vais suivre en fait ce qu'ils mettent dans le livre concrètement. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer là. Attendez, je vais le faire un petit coup. Donc, du coup, dans le livre qu'ils ont mis sur GitHub, ok, DevCodePython, merci, le son est bon. Donc, du coup, le livre qui est dispo sur GitHub, lien en description, vous l'avez, c'est ici, LN Book, il s'appelle LN Book, LN Book GitHub, ou sur internet, vous tapez LN Book GitHub, vous le trouverez, le lien. D'abord, il y a le livre, donc ce qu'on appelle les readme, voilà, il y a le texte, il y a le livre, concrètement. Mais il y a aussi du code source à l'intérieur. Bon, là, c'est toutes les images du livre. On peut voir que, voilà, il y a ici code avec des choses à l'intérieur. Je vais aller un coup dans code, d'ailleurs. Code. Et c'est assez bien fait, ce qu'ils ont mis en place. C'est pour ça, du coup, je me suis dit, eh ben, on va partir avec ce qu'ils ont fait, parce que c'est pas mal bien fait. Et voilà. Donc là, on peut voir qu'ils ont déjà mis en place tous les petits utilitaires. Je vais vous décrire ça au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Hein. Tous les petits utilitaires pour mettre en place un C-Lightning, un Éclair, un LND et évidemment un E-Bitcoin. Parce que pour rappel, donc ça, on l'avait vu dans les précédents lives, mais faire un ELN nécessite aussi d'avoir un E-Bitcoin. En tout cas pour ces implémentations-là, pour C-Lightning, pour Éclair et pour LND. Pour C-Lightning, je vous avoue que j'ai un doute parce que... C'est Lightning, vu qu'il est décrit en tant que lightweight, ce serait à vérifier honnêtement. Mais étant donné que je le connais pas encore bien, je pourrais pas vous dire là maintenant. Éventuellement, j'essaierai de voir un peu après. Si lui, il nécessite ou pas d'un nœud Bitcoin complet pour bien fonctionner. Donc du coup, pour rappel, alors nous allons travailler en rectest. Docker, je vais vous expliquer un peu après ce que c'est Docker. Donc voilà, Bitcoin rectest. Donc on va travailler sur du rectest. Voilà, je vais vous parler un petit coup de Docker, très rapidement. Ça, bon, culture G, c'est pas mal parce que honnêtement, maintenant, Docker, c'est tellement répandu. Honnêtement, c'est vraiment répandu. Et croyez-moi, quand vous parlez de projets crypto et tout, et si vous commencez à parler un peu de Docker et tout, ben on va croire que vous êtes un expert. Juste de ça, ça suffira. Docker, voyez ça comme des machines virtuelles. Donc si vous ne connaissez pas les machines virtuelles, c'est un principe de simuler... Donc admettons vous avez un Windows 10, dans votre Windows 10 vous pouvez mettre un autre Windows, admettons un Windows 7 ou même autre chose, un Linux, un macOS, un peu importe, que vous virtualisez au sein de votre ordinateur, de votre machine. Docker c'est exactement ça, en beaucoup plus léger. Donc ça permet de virtualiser des environnements complets. Et en général Docker, donc on parle de container à ce moment-là, un container c'est une virtualisation d'un système. Un container, son principe, c'est d'être léger. C'est-à-dire que dans un container, on met exactement ce dont on a besoin et on ne met rien d'autre de plus. Donc c'est des machines virtuelles légères, pour le faire très court. Donc là on voit qu'ils demandent, enfin ils disent de faire un Docker pool LNBook / BitcoinD. Donc LNBook, c'est leur environnement à eux, c'est eux qui l'ont mis en place parce que c'est leur livre en fait, hein. ils l'ont appelé LNBook, donc ils ont mis un environnement Docker en place, ce qu'on appelle un repo, un repository. Un repository en français, ça se traduirait en un dépôt, voilà, un dépôt. Et dans ces dépôts, c'est là où on va mettre des images pour créer des containers. Une image, vous voyez ça comme la recette de cuisine pour mettre en place un environnement léger sur Docker. Donc pour mettre en place un container, donc, comme j'ai dit, un container c'est une machine virtuelle, hein. Purement c'est ça. Donc du coup, eux, ils ont mis en place dans leur projet LNBook des dépôts, ils ont fait des dépôts d'images pour mettre en place tout ça.
Donc là, mettre en place un Bitcoin Day. Donc ça veut dire que c'est une machine virtuelle dans laquelle il y a un OS. En général, ça va être du Linux, Debian, du Ubuntu éventuellement. Si vous connaissez, en général, ça va être plutôt ça comme OS à l'intérieur. Ou du Alpine, mais ça, je vais pas rentrer dans le détail sur ce que c'est. Et avec un service à l'intérieur aussi, déjà configuré. Ça, c'est très cool, déjà configuré. Un nœud Bitcoin, Bitcoin Day. Bon, eux, vu que là, c'est pour le livre, ils l'ont déjà configuré pour être sur du regtest, hein. Voilà, ils en parlent ici, hein. Il est déjà configuré pour être sur du regtest. Donc, et ben on va le run maintenant. Donc moi, j'ai déjà pull l'image. D'ailleurs, pull l'image, ça veut juste dire on la télécharge. Hein. J'ai déjà téléchargé l'image. Donc sur ça, moi, je suis en place. Et on va faire cette commande-là. Attendez, je vais suivre aussi moi avec le livre, parce que ce sera plus simple pour moi. Voilà. Je mets le séparateur de livre gentiment offert par Julien il y a 2-3 ans qui me maintient les feuilles et c'est parti. Donc moi j'ai déjà installé Docker, hein. Docker c'est un service comme n'importe quel autre service. Je vérifie c'est bien dans le code, oui c'est bien dans le code. Donc je fais Docker run. Alors je vous dis pas les commandes, ça sert à rien, honnêtement c'est du bruit si je vous explique c'est quoi toutes les commandes. Donc là je vais run un container, du coup je vais créer un container. Attendez, je suis pas sur la bonne page. Je vais créer un container Bitcoin Day. Donc en fait là je vais faire mon nœud complet Bitcoin, mais sur le regtest, hein. Pour rappel, ça va pas être un nœud Bitcoin sur Bitcoin, hein. Attention, ça c'est bien à considérer. C'est bien à considérer. Donc Bitcoin Day, attendez, c'est son nom ça. Je vais l'appeler donc Bitcoin Day. On va pas s'embêter. Je vais l'appeler Bitcoin Day. Et donc, je vais chercher l'image que j'ai téléchargée, donc déjà Bitcoin D ainsi. Donc là, je crée mon container Bitcoin D qui est déjà configuré donc pour être sur du regtest et tout. Voilà, il n'est pas sur le mainnet ici. Voilà, j'ai même là, voilà, par exemple ici, vous voyez, j'ai carrément la clé privée. Imaginez, c'était un vrai nœud Bitcoin avec une adresse qui existe vraiment dans laquelle j'ai des Bitcoins. Bah, vous prenez ça et vous pouvez me voler mes Bitcoins. Hein. Mais là, on est sur le regtest. Donc, c'est-à-dire un regtest, encore une fois, environnement local. Vous pouvez rien en faire de ça. Ça servira à rien. D'ailleurs, notez ça là, le 2. Ça commence par un 2. Peut-être vous avez jamais vu ça sur Bitcoin. Hein, jamais vu d'adresse qui commence comme ça par 2. Bah, en fait, 2, c'est parce qu'on est sur le. Justement, on n'est pas sur le mainnet. Voilà. Sur tout ça. Je sais pas si 2 ça veut forcément dire regtest, qu'on est sur l'environnement regtest, mais en tout cas ça veut dire qu'on n'est pas sur le mainnet pour sûr. Donc mining 6 blocks every 10 seconds, vous voyez, donc ça parce qu'on est dans du regtest et on voit qu'à chaque fois qu'il mine, donc moi c'est moi-même le mineur, hein. Mais attention, hein, c'est un mineur simulé, c'est-à-dire que je fais pas la preuve de travail comme sur Bitcoin, c'est-à-dire que ma machine elle fait des calculs mais ils sont extrêmement légers. Et vous voyez que là je mine toutes les 10 secondes, vous voyez ça se met à jour, attendez je vais attendre un peu. C'est long 10 secondes, hein. Là c'est bon, ça a été mis à jour, vous voyez, hop, j'ai gagné 300 Bitcoin là, je mine et je gagne 300 Bitcoin, et je suis extrêmement riche, hein. Donc du coup, voilà, toutes les 10 secondes, ça mine, voilà. Et ça, c'est très pratique, si vous voulez, pour faire beaucoup de tests, en fait, hein, pour s'amuser, etc. Parce que ça ne nous coûte rien, c'est facile à mettre en place. On n'est pas obligé d'attendre 10 minutes pour que ça mine, parce que sur le mainnet, on doit attendre 10 minutes pour que ça mine. Là, c'est toutes les 10 secondes, voilà. C'est très, très, très pratique. Et c'est très intéressant pour qui veut faire du développement sur Bitcoin Day. Voilà, c'est une base, c'est un fondamental. Donc de travailler sur le regtest. Alors là, ce que je vais faire, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Parce que alors Docker, là si j'arrête le service, donc vous voyez que le service, j'ai plus la main là sur ma machine. C'est-à-dire qu'ici, je peux taper ça, mais ça sert à rien. J'ai plus la main sur ma machine. Ça, c'est un principe assez connu. Ça veut dire qu'il ne travaille pas en background, c'est-à-dire qu'il est en foreground, en premier plan, et qu'il a pris la main sur mon terminal à moi. Donc, ça veut dire que je ne peux plus rien faire. Voilà, je ne peux plus rien faire. Je peux l'arrêter, mais si je l'arrête, j'arrête mon nœud Bitcoin. Je n'ai pas vraiment envie de l'arrêter. Donc, ce que je vais faire, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Hop, j'ai une nouvelle fenêtre. Et donc, je vais exécuter un coup une commande sur mon nœud Bitcoin D.
Non, j'ai pas, c'est pas une commande, là, je rentre dans mon Bitcoin Day. Donc, petit cours Docker, encore une fois, on va continuer sur ça. Docker, c'est des machines virtuelles, encore une fois, qu'on appelle des containers. Et la commande que je viens de faire, celle-ci, docker exec -it bitcoin d, pour rappel, bitcoin d, c'est le nom que j'ai donné à mon container. Slash bin bash, je vous décris pas ce que c'est, occupez-vous-en pas, on s'en moque. En gros, avec la commande exec, je rentre dans ma machine virtuelle. Parce que mon Mac, là, le terminal que vous voyez, c'est mon Mac, et la machine virtuelle, ils sont pas vraiment en dialogue directement. C'est-à-dire qu'il faut que je rentre dans ma machine virtuelle pour pouvoir faire quelque chose dedans. Je peux le faire depuis l'extérieur grâce à Docker, il y a des commandes, mais la base de la base, c'est ça. Donc, dans le livre, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Ouais, on va faire un petit coup le tour là-dedans. Je vais faire un petit coup LS, et voilà. On va regarder comment est configuré très rapidement leur nœud Bitcoin, comment eux, ils nous l'ont configuré. Donc, 4... Je vous parle pas des commandes à chaque fois, hein. C'est pas grave si vous savez pas ce que c'est. Je vais pas vous décrire, sinon ça serait un peu loin d'écrire toutes les commandes. Donc vous voyez, là, c'est intéressant, la conf du nœud Bitcoin que j'ai fait grâce à LNBook. On voit que rectest égale 1, alors ça, c'est en informatique, en général... soit on met des booléens true ou false, true veut dire vrai, false veut dire faux, soit on met des valeurs numériques, 0 égale faux, 1 égale vrai, comme la logique binaire, vous savez, 1 en général ça veut dire vrai, 0 ça veut dire faux, donc voilà, on voit que rectest 1, voilà, ça veut dire qu'on est bien en rectest, debug, ça permet d'avoir un peu plus de log dans le nœud, donc on voit qu'il y a un port, voilà, vraiment une configuration de nœud, on va dire assez standard pour un nœud rectest. Et ça, c'est intéressant hein, pour vous, si un jour vous voulez mettre en place un nœud rectest, vous téléchargez Bitcoin Core, vous lancez le service Bitcoin Core et vous écrivez la configuration, parce que ça, en général, c'est nous qui l'écrivons, d'accord? Je dis en général, c'est toujours nous qui l'écrivons. Bah voilà, vous avez une conf pour faire du rectest, voilà. Et ça se fait assez vite en réalité, hein, ça se fait assez globalement sans effort. Alors normalement, je vérifie quelque chose. Voilà. J'ai mon service Bitcoin Day, et à partir de ce service Bitcoin Day, je peux exécuter quelques fonctions. Donc là, je vais faire des commandes propres à Bitcoin Day. Donc Bitcoin Day CLI, get blockchain. Donc là, du coup, là, c'est un peu des trucs Bitcoin qu'on apprend pour l'instant. C'est pas du LN. Du coup, ça, normalement, c'est Bitcoin CLI, mais je sais pas s'il est installé. On va voir. Parce que là, j'ai un doute. Blockchain info. Ok, c'est bon. Donc voilà, par exemple, là c'est une commande, et d'ailleurs, moi je peux le faire aussi sur mon nœud, hein, c'est vraiment la même commande, je vais vous montrer un coup. Donc ça c'est mon nœud, hop, Bitcoin CLI, get info. Ce qui est marrant, c'est que moi j'ai moins d'infos. Ah bah super. Ah d'accord, je sais pourquoi. Ah oui d'accord, là c'est get info, et là-bas j'ai tapé get blockchain info. Bon voilà, vous voyez que c'est les mêmes types de commandes, bien pour montrer que là c'est vraiment un Bitcoin D de la même manière que je l'ai installé sur ma machine, c'est le même, hein, c'est pas autre chose. Donc voilà, là on a des informations sur la blockchain. Donc ma blockchain, encore une fois, c'est pas le mainnet, hein, c'est mon rectest. Et Clint, je vais te supprimer juste pour ce que tu viens de dire. Quel affront. Quel affront. T'as de la chance, je sais pas bannir en fait. Je sais pas bannir. Je vais retirer le pauvre con. Attention, hein. Tu vas te faire bannir. Ok, bon. On voit que la difficulté, regardez, la difficulté, alors là, elle est vraiment, vraiment basse. Hein, elle est vraiment, vraiment basse. C'est pour ça que je vous ai dit, on fait pas vraiment de minage, hein, parce que la difficulté, elle est minuscule. Et d'ailleurs, ça, c'est assez marrant. Si vous avez suivi une de mes anciennes vidéos, j'explique comment ça marche, la difficulté. Lorsque vous voyez autant de zéros comme ça, là, ça veut dire que la difficulté, elle est... Ah non, autant pour moi, c'est encore autre chose. Chainwork, c'est encore autre chose. Autant pour moi. Donc ça, c'est des trucs propres aux bips. Hein. Moi, je les connais pas tous, évidemment. C'est un truc un peu de nerd de connaître tous les bips. Je les connais pas la plupart. Segwit, si vous avez suivi un peu l'histoire de Bitcoin, hein. Vers 2016. Ah, il y a Taproot, là, c'est intéressant. Voilà, donc, on a un nœud Bitcoin, rectest. Salut Manu. Bonsoir Manu. Ouais, 4, c'est ça. En fait, 4, je dirais pas pour lire un fichier. En tout cas, oui, nous, en tant qu'utilisateur, c'est pour voir ce qu'il y a dans un fichier. Mais là, ce que fait un système quand tu fais un 4, c'est qu'il lit ligne par ligne ou caractère par caractère dans un 5 et puis il le fout sur le STD out, donc sur la output.
Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre d'intéressant? Ok. Ça, j'ai survolé. Ok, donc là, on va commencer à mettre en place un C-Lightning. Donc, notre premier nœud LN, on va le mettre en place dès maintenant. Alors, attendez, hein, je chante. Hop. Setting up Docker Network. Ok. Alors d'abord, on va créer un réseau Docker. Je me demande si je vous fais une petite démonstration sur, en tout cas schématiquement, comme ça au moins ça fera un peu de faire, ça me fera faire des schémas. Je pense que je vais le faire pour vous décrire un peu Docker et comment ça marche Docker. Comme ça, voilà, ça vous fera un truc intéressant à apprendre qui est un peu déconnecté de Bitcoin et LN. Hein. C'est pas propre à Bitcoin et LN, c'est un truc purement technique. C'est un outil. Et au-delà d'un outil, c'est quelque chose de fondamental, parce que derrière Docker, c'est du LXC, et c'est quelque chose de assez standard, en tout cas dans l'environnement Linux, mais qui est tellement aujourd'hui utilisé que c'est devenu un réel standard à ce niveau-là. Donc, je vais créer un coup un réseau Docker, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Créer un réseau Docker, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce truc. Je vais faire des schémas, ce sera plus simple. Donc, je vais créer un réseau Docker que je vais appeler, on va appeler Blocks. Hop, j'ai créé un réseau Docker, donc là c'est un hash qui vient sûrement d'un hashage SHA-256 éventuellement. Je suis pas sûr, hein, faudrait compter le nombre de caractères et tout. Pas de certitude sur ça, mais ça se pourrait bien. Bon, petit cours Docker. Je vais vous expliquer schématiquement, ça ira assez vite. Ça prendra quoi? 5 minutes, je pense. Quel est l'intérêt d'avoir des containers? Très bonne question, Powerful, et je l'ai pas dit, et donc ta question est vraiment pertinente, c'est bien. Qu'est-ce que ça sert d'avoir aujourd'hui là des Docker? Pourquoi on met en place des Docker? Pour une très très simple raison, c'est que c'est une question de praticité. C'est vraiment le plus simple aujourd'hui. J'aurais pu, donc c'est là où ta question est pertinente, j'aurais pu installer sur ma machine BitcoinD sans passer par un Docker container. J'aurais pu installer C-Lightning, etc. sur ma machine sans passer par un container. Le problème, c'est que ça dépend du coup de mon système, ça dépend de mon macOS, etc. Et du coup, ça peut créer des choses un peu inattendues. Le fait de travailler sur des Docker containers, ça permet d'avoir un environnement similaire. C'est-à-dire que moi, ce que je suis en train de faire là, toi, tu peux faire exactement la même chose en utilisant Docker. Et tu n'auras pas de surprise. Par contre, si moi, je le faisais directement sur ma machine sans passer par Docker, si toi, admettons, tu es sur un Windows, tu vas découvrir des surprises, parce que forcément Windows, c'est pas les mêmes commandes, ça marche pas pareil, etc. Et en plus, par exemple, C-Lightning, bah, il te faudrait la version Windows de C-Lightning. Est-ce qu'elle est dispo? Bah, je sais pas, tu vois, faudrait regarder. Bah, vu que c'est du C, oui, elle est dispo, mais je sais pas si t'as déjà voulu run un programme C depuis le code source, avec Make, etc. Ouais, c'est fun, c'est chiant, c'est très très chiant. Donc du coup, on fait en général des containers, des images, qu'ensuite qu'on exploite pour créer des containers, comme ça on a tous des environnements similaires. Voilà, ce que je disais au début, c'est que les images de Docker, c'est vraiment comme des recettes de cuisine qui se lancent automatiquement. C'est comme si tu avais un robot qui fait la cuisine pour toi, tu vois. Tu mets la bouffe dedans, tu mets du jambon, des lardons, la crème fraîche, j'en sais rien, et tu le fais tourner, il te cuit tout, il te fait tout, et c'est bon. T'auras toujours la même quiche au final. Quentin, si t'es là, tu sais de quoi je parle, non? Bon, n'hésitez pas, ce qui peut vraiment aider le live à se développer, c'est de partager, donc n'hésitez pas à partager, peu importe à quel endroit. Moi, mon but, c'est d'essayer d'intéresser des gens qui ne sont pas forcément dans la tech. Alors, je sais que c'est difficile, hein, parce que c'est un truc, là, on voit un terminal et tout. Mais je pense, moi, si vous voulez, mon avis sur les sciences informatiques, tout ce qui est administration de système, code, etc. Moi, je vois ça vraiment comme les mathématiques aujourd'hui. Je veux dire, on apprend les mathématiques très jeunes à l'école, etc. On apprend la résolution d'équations produit en croix, la géométrie, Pythagore, Thalès et compagnie. Bah, je pense que dans l'informatique, il y a aussi des fondamentaux qu'il faut connaître pour mieux appréhender la société actuelle. Parce que les maths, à la base, c'est ça. Hein. Je sais pas si vous saviez, hein, moment culture G. Hein. À l'époque,
les... Alors quand je dis à l'époque, je pourrais pas vous donner de date précisément, mais en tout cas à l'époque, on va dire avant Galois par exemple, avant Galois, on va dire avant le siècle des Lumières en France en tout cas, je dirais bien ça, les cours qui dominaient, c'était des cours littéraires et des cours sur la philosophie, donc plutôt accès littérature-philosophie. C'était au moment où le clergé dominait, hein, où on commençait à développer le sens de lire la Bible et compagnie, vous savez. Mais un jour, il y a eu les Lumières avec Descartes et compagnie, et puis on a commencé à mettre en avant, on va dire, les matières scientifiques, donc avec la méthode scientifique, les mathématiques surtout, et voilà. Donc ça a dominé l'école à un moment donné, quoi. Ça n'a pas toujours été dominant, ça n'a pas toujours été aussi dominant, en tout cas comme matière. Aujourd'hui, ça l'est vraiment. Parce que ça permet de mieux appréhender la société de maintenant, en fait. Vous voyez, c'est l'esprit du temps. Ouais. L'esprit du temps se veut qu'il soit comme ça, scientifique, machin. Est-ce que c'est bien ou quoi? On s'en fout, hein, on parle pas de morale. Hein. Et je pense que l'informatique, bah, c'est la même chose au final. C'est qu'aujourd'hui, on est envahi par la technique informatique, la technique de l'information, pour être un peu plus précis. Donc du coup, c'est des sujets que je pense quiconque devrait appréhender avec certaines notions. Un peu comme on le fait aujourd'hui avec les maths. Voilà, c'est pour ça que je pense que ça devrait être accessible à quiconque, et j'essaye de le rendre accessible à quiconque. Bon, et quiconque étant curieux, voulant faire l'effort, etc., c'est comme les maths, hein, je veux dire, les maths, soit on aime et du coup ça demande pas d'effort, soit on aime pas trop, mais du coup faut quand même faire un effort. Et croyez-moi que ça sert, hein, même juste d'avoir appris à compter, etc., on croit à chaque fois que ça sert à rien. En fait, si, ça sert énormément, hein, ça sert énormément pour beaucoup de choses. Au moins comprendre intuitivement les multiplications, les divisions, etc., ça aide énormément sur beaucoup de sujets. Donc voilà, l'informatique c'est pareil. Et je ne veux pas vous faire peur, hein, mais les Chinois, leur cursus académique, niveau informatique, ça fait peur. Hein. Ils ont un niveau de malade. Et pas nécessairement les gens qui vont travailler ensuite dans ce domaine. Hein. C'est de manière académique, ils apprennent ça de la même façon dont nous on peut apprendre les maths, on va dire au lycée bac S, tu vois. Eux, bah, c'est informatique à un niveau assez élevé. Et les Russes aussi d'ailleurs, c'est pour ça que les Russes ils sont très très forts, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de hackers et tout, ils sont russes. Ils ont une énorme culture informatique, de par leur cursus académique. Hein, et quand je dis cursus académique, je parle pas de l'académie au sens universitaire, hein, je parle académie au sens... Leur système scolaire, hein, donc maternelle, primaire, etc. Hein. Voilà. Nous en France, on apprend du prologue ou du je sais pas. En vrai, je vais m'arrêter là. Alors, Docker. On apprend du OCaml. Les gens qui connaissent. C'est bien OCaml, attention, hein, je dis pas que c'est nul. Hein. C'est différent. C'est différent. Docker. Qu'est-ce que c'est que Docker? Eh ben, voyons voir en schéma. Est-ce que ça vous dit? On voit Docker en schéma. Moi, ça me dit en tout cas. Corée, exact, exact, exact. Je peux te dire, j'ai travaillé un peu à San Francisco. Et je peux te dire, j'ai vécu avec des Coréens. Même les mecs qui sont pas dans l'informatique, ils étaient balèzes. Ça me tuait de voir ça, quoi. Moi, tu vois, c'était mon taf et tout, je connaissais le sujet, mais limite, j'ai l'impression que le mec, dans c'est même pas le métier, qu'il connaissait limite autant que moi, quoi. C'est frustrant. Oui, mais les Asiatiques n'ont pas dans le cursus manager. Exactement, AS1, c'est Antoine, toi. T'es Antoine, ouais. Je le crois bien. T'as raison, Antoine. C'est ce qui leur manque. Mais de toute façon, on peut pas tout faire dans la vie. Oui, on peut apprendre énormément les maths, tous les cursus scientifiques. Mais derrière, ce qui va en pâtir en général, c'est les compétences de relations sociales, qui sont réellement des compétences, hein, qui s'appellent plus généralement, on appelle ça des compétences intrapersonnelles. Les Chinois, c'est connu pour qu'ils aient des compétences intrapersonnelles assez faibles. Très souvent, les Chinois qui ont des bonnes compétences intrapersonnelles, c'est les Chinois qui viennent de classe moyenne supérieure, parce que eux, ils n'ont pas eu besoin de suivre ce cursus académique. Du coup, ils ont passé pas mal de temps à faire des relations sociales, etc. Donc, ils sont beaucoup plus doués à ça. Mais du coup, eux, en général, c'est pas les meilleurs en maths et autres. Ouais, on est humains, quoi. On est tous limités, hein, c'est comme ça. On peut pas tout faire. Bon, allez.
C'est parti, j'ai essayé de faire un rectangle digne de ce nom. Ok, ça commence très 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 mal. Aïe aïe aïe, comment je vais faire? Je suis vraiment nul là. Ok. Ok. Alors moi je suis assez fier de cette ligne là. Voilà, cette ligne elle est plutôt jolie. Vous ne trouvez pas? Moi je trouve. Alors ça, c'est... Je vais l'appeler... Env 2. Mac. Je vais l'appeler environnement Mac. J'ai d'ores et déjà utilisé une autre couleur, parce qu'il y a le terminal qui est en jaune en dessous, et ça peut peut-être être perturbant. Donc on va prendre un cyan comme ça. Un cyan. Cyan. Ok, mon environnement Mac. Et par-dessus Docker, ça va être simplement un sous-environnement, comme ça. Hop. Attendez, je peux le faire comme ça. Oula, tout supprimé, donc. Hop. Donc là, c'est un... env 2. Docker. Oh les yaya, on voit mal, hein. Je suis vraiment désolé, hein. Je fais de mon mieux. Docker, et on va dire par exemple, j'ai l'appeler Linux, hein. Ça sera plus simple que ça, vous voyez ce que c'est Linux. Linux, j'ai beaucoup de mal à écrire, je suis navré. Hein. Donc là, Docker, environnement Linux, d'accord? Dans lequel il y a par exemple BitcoinD. Bitcoin D. Voilà. Là, il y a mon Bitcoin D. Ensuite, j'ai un autre container Docker. Oh là 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 là, quel calvaire. Ok. Oh là là. Là, je suis bien. Ok. Baf. Donc là, on est sur un Docker aussi. Docker. Et là, on va dire, par exemple, bah, c'est aussi un Linux. On va faire simple. Qui est aussi un Linux, donc système Linux. Je vais plus simple, hein, ça pourrait être un Ubuntu, tout ce que vous voulez, hein, distribution Ubuntu, peu importe. Linux, dans lequel, on va dire, par exemple, j'ai C. Light. Lightning. J'ai C Lightning dedans, voilà. C Lightning dedans. Alors là, mon Mac... Ils communiquent pas directement avec eux. Bon, en réalité, ils communiquent dessus avec le réseau Localhost et compagnie. J'ai simplifié, on va dire qu'ils communiquent pas vraiment dessus. Je peux rentrer à l'intérieur en faisant la commande qu'on avait vue tout à l'heure. En faisant la commande. Alors, je mets un dollar, c'est pour dire que c'est une commande. Docker. Exec. Donc Docker exec dans ce truc là. Donc si j'ai donné un nom, admettons son nom c'est BitcoinD, je fais Docker exec BitcoinD. Et là c'est pareil, je peux aussi rentrer dans lui de la même façon. En faisant Docker exec c'est Lightning, si je l'appelais c'est Lightning. Et ces deux environnements là, c'est vraiment des environnements à part, c'est des machines virtualisées. Et les deux, je peux les faire dialoguer ensemble en créant un mappage réseau. Un mappage réseau, je vais le faire comme ça, un rond comme ça. Tac. Qui est un network. Network qui veut dire réseau. Network. Pour lequel je lui donne un nom, simplement. Et ce réseau-là permettra à ces deux machines-là virtuelles de communiquer entre elles. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est ça qu'on vient de faire là tout à l'heure. Bon, on a perdu le fil parce que j'ai fait un laïus, j'ai fait une homélie sur l'académie, les sciences fondamentales et compagnie, mais on va y revenir vite fait. Network, ça permet de faire dialoguer les deux machines. Voilà. J'espère que c'est clair, j'espère que mon écriture ne casse pas tout. Alors... Oui, mais les asiatiques, hein, et surtout maintenant, cursus lycée, les maths sont... au choix de chacun. En France, on a le B2I. Qu'est-ce que c'est que ça, B2I? Je connais pas. Je regarde une vidéo de Fireship. C'est quoi ça, Fireship? Je ne connais point.
On voit souvent des Asiates faire des cours de maths sur YouTube. Ouais. Mais d'ailleurs, salut Noob Expert. Au sujet des Asiates et compagnie, c'est la croyance populaire que les Asiates sont intelligents, ça vient de ça. Hein. Ils sont. Peut-être qu'ils sont de manière au niveau ADN plus intelligents, c'est possible. Hein, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est ça vient surtout de leur académie. Je peux vous dire que leurs études là-bas, et les Indiens aussi, les Hindous aussi hein, en Inde, hein, c'est la même chose. Hein. Ils font des études, mais ils vont vraiment loin. Quand je dis ils vont loin, c'est dans le sens où ils étudient comme des fous. Ils passent énormément de temps à étudier, vraiment. Hein. C'est du genre, dès l'élémentaire, c'est lever 7 heures, coucher 22 heures à étudier, vraiment, vraiment, vraiment. Dans les villes dominantes, hein, à Beijing, Shanghai, Bombay pour les hindous, New Delhi et compagnie quoi. Et Corée aussi d'ailleurs, Corée aussi. Japon un peu moins, Japon c'est un peu différent. Un peu différent les japonais. Bah, disons que les japonais là où ils sont différents c'est qu'ils sont beaucoup moins axés sur les maths etc. Ils sont pas mal concentrés sur d'autres matières, pas comme la France, ils sont quand même très poussés sur les sciences mais en tout cas moins que les chinois, moins que les coréens. YouTube Cookie Connect Docker. Qu'est-ce que c'est ça, Manu? Cookie Connect Docker, je connais pas. Il y a plein de schémas vraiment rectangulaires. Non, mais je sais que c'est pas les machines virtuelles, mais Antoine, il y a un truc qui s'appelle la simplification. Parce que si j'appelle pas ça les machines virtuelles, bon. Vas-y, bah donne-moi un nom qu'on comprendrait facilement. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, si je sais pas si t'étais là. Ok, continuons. Donc du coup, on crée... Ouais, d'accord, voilà. On crée donc un réseau Docker que j'ai appelé Blocks. C'est ce que je vous ai montré sur le schéma. Sur le schéma-ci, du coup, le réseau est là. Donc là, Network, c'est pas son nom, mais en tout cas, là on va dire le réseau, c'est Blocks. Enfin... Pour l'instant, d'ailleurs, j'ai créé le réseau, mais je les ai pas connectés encore entre eux. Il n'existe pas encore ce lien-là, mais c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Bah, tu vois, Antoine, quand tu dis déjà c'est des conteneurs, moi je pense que c'est pas très compréhensible. Si tu vois, tu dis des conteneurs, très bien, merci, des conteneurs, donc des conteneurs virtuels, etc., etc. Ou alors tu peux dire des machines virtuelles dans lesquelles il y a un système. Parce qu'en fait, si tu cherches machine virtuelle, bah, t'as pas mal d'infos, tu vois. Tu tapes conteneur, bah, t'es obligé de tomber sur conteneur Docker. Donc tu tombes dans une forme de définition qui s'autodéfinit, tu sais. C'est un peu comme dans une encyclopédie. Docker, système qui permet de créer des conteneurs. Conteneur, système que Docker crée. Ah, bien, on est bien avancé. Bon, allez, continuons. Je sais pas pour les définitions, hein, j'ai pas d'encyclopédie sous la main. Mais... Et je pense pas que ce soit dans l'encyclopédie française. Donc là, ce qu'on va faire, je vais faire... attendez, je suis au bon endroit ou pas? Ok, c'est bon, je suis au bon endroit. Alors du coup, ce que je vais faire... Je vais rerun mon container BitcoinD. Donc je vais rerun mon nœud BitcoinD sur Rectest. Que je vais connecter, j'oublie là, que je vais connecter donc à mon réseau que j'ai nommé Blocks. Donc Blocks c'est mon réseau Docker. Ah mais c'est bizarre, si je l'ai déjà créé, enfin c'est bizarre. On va voir ce qu'il va faire, mais je pense pas qu'il va falloir que je le supprime avant. Conflict. Je vais le supprimer et je vais refaire la commande. Donc du coup, je le rerun. Alors là, maintenant, je les run. Ça n'a rien changé en fait par rapport à tout à l'heure. Hein. Je les rerun, mais ce coup-là, je l'ai branché sur le réseau Blocks en fait. J'ai juste fait ça. Alors j'aurais pu, plutôt que de le supprimer et de le refaire, j'aurais pu l'éditer. Hein. Ce coup-là, je l'ai supprimé. C'est pas important quoi. Je l'avais juste lancé tout à l'heure, j'ai rien fait dedans quoi. Ouais, bah oui, comme, je sais bien, c'est ce qu'on appelle un peu l'effort pédagogique. Je dirais pas vulgarisation, parce que c'est moche comme terme, vulgarisation. Mais c'est ça. En fait, faut rendre les choses intelligibles au mieux que possible, hein, parce que, par exemple, même machine virtuelle,
En fait, machine virtuelle, pareil, en réalité, c'est pas forcément compréhensible. Mais je veux dire, c'est un truc qu'on a plus souvent vu par l'utilisation des outils informatiques que des conteneurs. Les conteneurs, c'est pas, c'est encore un truc qu'on voit plutôt dans la tech. Alors que les machines virtuelles, il y a pas mal de gens qui ont déjà utilisé ça pour X ou Y raisons. Et c'était quoi les raisons qui poussaient à faire des machines virtuelles? Je sais qu'il y en avait quelques-unes. Des raisons, on va dire, assez usuelles. Ah, j'ai plus en tête, mais je sais que j'en ai déjà fait pour certaines choses, mais je sais plus quoi. Mais merci Antoine. Antoine, tu sais quoi? Fais un live. Tu fais un live et tu vas nous expliquer ce que c'est Docker. Je te mettrai un like. Allez. Donc du coup, j'ai rerun mon nœud Bitcoin D que j'ai plugué sur mon réseau Blocks. Je vais faire la même chose. Et tu feras un cours sur le LXC, Antoine. Sans Wikipédia, d'accord? Donc là, je vais faire mon premier nœud LN avec C-Lightning. Alors, je vais l'appeler C-Lightning. On va faire simple. Je vais l'appeler C. Donc là, je lui donne un nom, d'accord? C-Lightning. C-Lightning. Donc là, l'image ici. D'ailleurs, je me demande si c'est ça son image. J'ai souvenir que c'est pas ça. Et là, j'ai mis LNBook. Donc moi je le connecte à mon réseau Blocks. Réseau que j'ai. Blocks avec un C. Avec un S. Attendez, ouais. Je sais plus. Ouais, avec Blocks. Avec un S. Je vérifie. Name, etc. Donc là je lance mon premier nœud LN. Avec l'implémentation. Avec. Alors là il se passe beaucoup de choses. Hein. Avec l'implémentation. Donc c'est Lightning. C'est Lightning. Donc le nœud est lancé, on va regarder un peu ce que ça dit. Donc là, pareil, hein. On revient un peu au sujet. On revient un peu au sujet du fait que on lance donc des images qui sont déjà préconfigurées. Donc du coup là, on a lancé un nœud LN avec C-Lightning qui est déjà configuré. Donc on pourrait s'amuser à regarder la configuration. Je vais peut-être aller un coup dedans. Vous savez quoi, on va faire ça. Ah, j'ai cru que j'avais perdu l'écran. Donc, on va rentrer dans le C-Lightning. Donc ça, c'est le nom que je lui ai donné. Et on peut aller regarder sa conf, qui est dans config. Je vais faire Pocket. Donc voilà, sa config. Vous voyez qu'il va chercher directement... le RPC de Bitcoin, donc du nœud Bitcoin D. Alors ça, faut savoir, donc le mot de passe SI et le user et le mot de passe, en fait, il avait déjà été configuré de la sorte sur ce nœud Bitcoin pour que ça se connecte bien. C'est pour ça que je vous dis, et c'est pour ça que ça répond à ta question que tu avais posée, PowerFuel, c'est qu'on démarre avec des configurations déjà faites. Comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter. On lance, ça marche bien. Pareil pour le port, tu vois, c'est déjà le bon port. On s'embête pas, voilà. Ça permet d'aller plus vite. Au moins en tout cas pour avoir un environnement bac à sable et de pouvoir expérimenter des choses. Et là d'ailleurs, aujourd'hui on fait ça, on met en place, mais pour les prochains lives, je pense, j'ai pas regardé pour la suite du livre ce qu'il va y avoir, mais il y a des chances qu'on continue avec cet environnement là pour faire 2-3 choses. Et je peux également... Alors c'est Lightning, je connais pas par contre, j'ai regardé Witch... Je connais pas les commandes, c'est Lightning. J'ai regardé un petit coup. J'ai bien écrit. Attendez. Hein. Je pourrais aller sur le repo pour regarder la commande, mais... Regardez un coup. C'est Lightning. Hop. C'est Lightning CLI. Voilà.
Donc là, voilà. Donc oui, je vous ai pas dit, hein, j'ai oublié de le dire. Je suis rentré dans la machine C Lightning, d'accord. Donc là, je suis dedans. Là, je passe sur mon Mac, je suis dans le container C Lightning. Et voilà, on voit des infos du nœud ELN. Est-ce qu'il y a des infos qui nous informent bien qu'on est connecté sur le nœud Bitcoin? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais en tout cas, il est bien connecté puisque on l'avait vu ici. Enfin, en tout cas, moi, j'avais vu. Ouais, là, il se passe des choses. Si là, il se passait rien, vous voyez, s'il n'était pas bien connecté au nœud Bitcoin D, nous aurions vu des erreurs. Hein. Ça aurait dit Cantrich, je sais pas quoi. Enfin, typiquement des erreurs de réseau. Genre, oh, le nœud, il n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? Attention, danger, danger, appelez les pompiers, éteignez le feu, etc. quoi. Mais là, on voit qu'il se passe des trucs. Bloc 253, on peut voir le dernier bloc 329. Est-ce que c'est lié à ce bloc? Vous savez quoi? Hop, je vais me connecter dessus pour voir si c'est bien le bloc du Bitcoin D. Alors, je pourrais exécuter les commandes directement, mais j'ai tendance à préférer de rentrer directement dans la machine. Là, on est au bloc 347. Voilà. 347. Vous voyez que là, les deux, donc là, je suis sur deux machines différentes, enfin deux containers différentes, on voit qu'ils dialoguent très bien. Dernier bloc, 347, et j'ai bien 347 ici. Donc sur ça, on est très bien, avec le hash, hein, 2B, et on a sûrement le... Bon, je peux le voir sur le... Ah, il est pas là? Ah, ils l'ont mis ailleurs. Alors, soit il y en a pas, Bon, après, je regarde la conf. Moi, c'est étonnant. Je sais pas où est la conf. Où ils ont mis les logs. Là, ils ont mis ici. Donc voilà, bon en tout cas, ce qu'on a vu, hein, c'est que c'est bien connecté, et puis là ça avance. Donc débloque toutes les 10 secondes grâce au rectest, la configuration de rectest. Donc rectest, hein, pour rappel, faire un nœud Bitcoin rectest, c'est facile à faire. Hein. Vous avez juste à faire, ce que j'ai montré là, vous avez juste à faire un nœud Bitcoin, vous installez, je vous montrerai un coup, je vais l'ouvrir après. Parce que de toute façon, à la fin du live, je vais faire une petite conf pour mon nœud à moi, donc je vais le faire en live directement. Et je vais suivre un de mes articles. Moi, j'utilise un de mes articles comme référence en fait pour me souvenir de certaines commandes. Je crois que c'est celui-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Bitcoin D, c'est assez facile à installer sur des n'importe quel. Bitcoin d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils avaient travaillé sur du Windows. Hein. Donc, je crois que Bitcoin Core, c'est assez facile à installer sur du Windows. À voir, ce que j'ai jamais fait, mais il me semble que c'est assez facile. En tout cas, sur du Linux ou du Mac, ça s'installe très facilement. Bitcoin Core. Et Bitcoin D en l'occurrence. Hein. Et Bitcoin D, donc c'est facile à configurer par du rectest. Hein. En gros, c'est à peu près ça la conf que vous allez faire, un peu la conf de base. Et en faisant ça, voilà, vous avez votre rectest Bitcoin sans passer par Docker. Hein. Docker, encore une fois, c'est pour des raisons de praticité et de simplification. Mais ce n'est pas nécessaire, hein, Docker, pour faire tout ça. Hein. On aurait pu le faire à la mano en installant tout sur mon Mac sans passer par des containers. L'avantage de Docker, c'est d'office ça fonctionne. Comment ça, DevCode Python, d'office ça fonctionne? Ah, d'office ça fonctionne, tu veux dire. Ouais. C'est l'idée de Docker. T'installes Docker. Docker, c'est comme une surcouche qui va te permettre de gérer des instances de plein de trucs, de plein de systèmes différents, etc. Avec tout un repo, un dépôt où il y a plein de gens qui ont déjà configuré des machines. Et en l'occurrence, ici... je vais vous montrer un coup sur le livre. En l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait eux, hein, du coup. Ils ont fait... attendez, il est où le livre? Ah, il est là. LN Book. Voilà. Vous voyez là, c'est leur repo LN Book. Ici, c'est leur repo sur Docker, avec toute leur configuration Docker, donc des images Docker pour pouvoir télécharger leurs images et travailler avec ça. D'ailleurs, est-ce que le repo, on peut le trouver comme ça sur internet? Je sais pas trop. Je ne visite pas souvent. Tiens, Antoine, le master du Docker. Est-ce qu'on peut trouver le repo facilement, le LNBook, pour voir les images sur Docker?
Enfin, sur un registre publié, enfin, sur une page web, quoi. Donc, du coup, continuons. Donc, c'est Lightning, on est lancé. Donc là, c'est mon c'est Lightning. Je vais le mettre ici. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, je suis rentré dans le... Je vais m'en aller, exit. Ici aussi, je vais m'en aller, exit. Je vais fermer ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Là, attendez. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais coupé un... Ici, je peux renommer, je crois. Comment on renomme une table? Je sais pas trop, ça. Bon, tant pis. Donc, ici, c'est mon Bitcoin Day, mon nœud Bitcoin Day. Ici, c'est mon nœud LN. LN, pardon. Mon nœud Lightning, c'est Lightning. Et ici, bah, c'est où je tape les commandes. C'est où j'ai la liberté de taper ce que je souhaite taper. Je peux taper... Bonjour. Je peux taper... Hello. Très bien. C'est parti, on va continuer. Donc le livre là, il montre toute une partie. Donc ça peut être intéressant si un jour vous cherchez à implémenter, enfin à installer sur votre machine un nœud, par exemple c'est Lightning, etc. Il montre toute une partie, je vais vous montrer. Hein. Je vais scroller. Là, je vois rien. Ouais, par exemple ici. Voilà. Là, il vous explique ici sur cette partie-là. Ils expliquent comment installer C-Lightning sans passer par là, c'est le container là. Un peu plus bas. Voilà, ici. Comment installer C-Lightning depuis la source du code. Donc, en gros, l'installer à la main. Concrètement, là, c'est l'installer à la main. Donc voilà, il vous explique tout ça. Nous, évidemment, on le fait pas. Mais ça, c'est vachement intéressant si vous voulez mettre en place votre nœud. Voilà, c'est des infos hyper intéressantes. Et en général, ça se fait assez bien. Hein. Faut savoir que ces services-là, ils ont été prévus pour être installables relativement facilement. Donc voilà. Faut bien garder ça en tête. Ok, donc là, on va lancer un autre nœud LN. Parce que nous, on va faire plusieurs canaux de paiement, etc. Donc on va lancer plusieurs nœuds LN. Et là, on va lancer un nœud LND. LND que je connais mieux. LND parce que c'est ce que j'ai sur ma machine moi-même. Allez, c'est parti, j'ouvre un nouveau terminal. Nouveau onglet, donc hein, vous voyez ici. Hein. Vous voyez les onglets en haut, hein. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais vous voyez tous les onglets ici. Donc les onglets, c'est des nouvelles instances de terminal. Sur la même machine, donc sur mon Mac. Donc du coup, hop. Là. Toujours même network, parce qu'on va toutes les interconnecter entre elles. Donc mon network blocks, je l'ai appelé blocks. Hop. C'est marrant, parce que dans le livre... Ah ouais, d'accord, il précise. Parce que dans le livre, il rerun Bitcoin Day, mais moi je l'ai déjà, donc je vais pas le rerun. Faire LND, LNBook. Ah bah peut-être il va y avoir un conflit, on va voir un coup. Voyons voir s'il y a un conflit, parce que je vais vous expliquer. Je vais regarder s'il y en a un, déjà. Ok. A priori, c'est bon. Ça run. Alors, j'ai eu peur qu'il y ait éventuellement un conflit. Attendez. Je crois bien qu'il y en a eu, en fait. Non, il n'y en a pas eu. Bloc notification. Ah. Non, c'est bon. On est bon. Oh non, on est bon. J'ai cru qu'il y avait un conflit. Pourquoi? Parce que je sais pas trop, encore une fois, exactement comment il a été configuré, ce nœud-là. J'ai eu peur que lui, donc, faut savoir, ce nœud LN, donc c'est Lightning, il est connecté sur mon nœud Bitcoin ID qui est ici. Et là, j'ai lancé lui à l'instant, LND, qui va se connecter aussi sur mon Bitcoin ID. J'ai eu peur que mon Bitcoin ID ne gère qu'une seule connexion à la fois. Donc, vu qu'il est déjà connecté avec lui, j'ai eu peur que le RPC il rejette la connexion de lui. Alors, RPC, comment vous la faire en cours? RPC, c'est pour leur permettre de dialoguer en exécutant des commandes entre eux. Comme si, on va dire, moi je suis connecté avec Bitcoin Day en RPC, bah, je peux donner des ordres à Bitcoin Day pour faire des trucs. C'est ça le connexion RPC. Donc lui, j'ai cru que le RPC il pourrait permettre qu'une seule connexion. Mais a priori c'est bon, on peut en permettre plusieurs. Donc du coup là, j'ai un nouveau nœud LN, une autre implémentation de LN qui est LND. LND, donc celle que je connais mieux, je crois la première implémentation de Lightning Network en tout cas.
Bah, je crois vraiment que c'est la première, mais bon, à vérifier si vraiment c'est la première. Vous avez vu, elle a 12 800 commits, c'est pas mal quand même. Donc voilà, implémentation LND, une autre, donc c'est Lightning, c'en est une, LND, c'en est encore une autre, qui fonctionne avec ses spécifications, qui suit les specs de LN, évidemment, le Bolt, Basic, Basics, c'est quoi? Attendez, j'ai un plan trop de mémoire, hein. Basis of Lightning Technology. Moi, je l'aurais appelé BLT, en fait, parce que le off, j'aime pas quand même, quand ça inclut dans l'acronyme. En fait, ils ont mis Bolt, parce que ça fait Bolt. Bolt, c'est une boule, quoi. Je pense une boule, quoi. Ah oui, Lightning Bolt. Ah ouais, parce qu'une foudre, ça commence par une boule, je crois, un truc comme ça. Ah, c'est intéressant. Bah, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Bolt, du coup, mais c'est perturbant. Mais du coup, ouais, c'est Basis of Lightning Technology. LND suit les specs de Bolt, du coup. Mais c'est quand même une implémentation un petit peu différente à garder en tête. Salut Pika. Passer dire bonjour et mettre un like. Merci Pika pour ton like. Merci Pika pour l'appel au like. Les likes, ça marche pas trop pour référencement. Si vraiment vous voulez aider le live à se développer, etc., et ben partagez-le n'importe où vous voulez. Où vous voulez. Ça serait d'une grande aide. Merci. Tu feras un test pour la triche. Ouais, DevCode Python, on va faire un test pour la triche. Mais ça, il faudrait que je prépare et tout. Hein. Je vous avoue que ce live-là, moi, je l'ai à peine préparé parce que je manquais de temps. Mais là, c'est très bien parce qu'en réalité, il se fait assez bien cette partie-là. Donc, c'est une bonne chose. Mais oui, pour tester la triche et tout, ça, je le préparais. De toute façon, les trucs intéressants, on les testera à la fin. Mais je crois que dans le livre, c'est déjà mis en place. C'est pour ça. On va d'abord faire le livre. Et à la fin, on fera les trucs intéressants qui peuvent être fun à faire. Donc, du coup, je vais faire la même chose que j'ai fait avec les autres. Docker, exec. Hop, je me connecte sur mon LND. Alors, je crois que je l'ai appelé LND. Je sais plus. Alors là, je vais faire une petite commande pour voir qu'est-ce que j'ai déjà run. Alors, sûrement, j'ai déjà des autres containers, d'autres trucs, d'autres projets. Hein. Ne bêtez pas avec ça. Donc là, c'est tout ce que j'ai lancé. Et je l'ai appelé bien LND, il est ici. Donc du coup, LND, je me connecte dessus. Ah mais j'ai déjà lancé, je suis désolé. Je perds la mémoire. La boule. Bon, du coup, c'est bon. Mon LND est lancé. Ah non, je l'ai pas lancé, je crois pas en fait. LND CLI, non, LNCLI, get info. Donc on fait la même chose que tout à l'heure. Et voilà, on voit que là... Alors là, vous voyez ce que je vous ai parlé là. Je vous ai parlé du fait que les implémentations, elles suivent les specs de LN, ça c'est important, mais elles peuvent intégrer ce qu'on pourrait appeler des features, quoi, des fonctionnalités qui sont propres à ces implémentations. Donc là, c'est des implémentations de LND, ça, vous voyez. Eux, ils les listent et voilà. Bon, je vais pas vous dire tout ce que c'est à chaque fois parce que je les connais pas. Hein. Ça, c'est vraiment des trucs techniques et ça, d'ailleurs, on va le découvrir au fur et à mesure du livre. Hein. On le verra en détail. Donc voilà, là on voit que j'ai pas de channel ici, aucun channel actif, voilà j'ai rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Bon là c'est pas mal. Là on voit que c'est la version 0.13 parce que ça vient de la configuration. Donc ça vient de la configuration du Docker. Mais la dernière version, du coup là il est pas vraiment à jour parce que la dernière version, on va regarder ici, c'est la 0.14.2. Vous voyez là, il y a une version de moins. Bon voilà, c'est pas très très grave, c'est mieux d'être en général sur la dernière version, mais voilà, là ça marchera très bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc là pareil, le livre, il nous indique comment intégrer compiling, comment intégrer... Ah, j'étais dessus. Comment, pas intégrer, comment installer LND à la main. Ah, mais dis donc... de LND. Voilà, comment installer LND à la main, hein, voilà. Toujours intéressant à voir. Nous, on va pas le faire parce qu'on s'amuse déjà avec les Docker, donc il n'y a pas besoin de le faire. Donc maintenant, on lance un autre LN, un autre nœud LN, le dernier, avec Eclair Server. Donc Eclair, qui est différent de Eclair Mobile. Hein. Eclair Server, c'est vraiment l'implémentation de LN par Eclair, par A5, A5 qui est une boîte française, et qu'ils ont appelé Eclair. Eclair qui est vraiment du coup le nom français en fait hein, de Lightning. Donc c'est parti. On fait la même chose. Donc je vais ouvrir. Donc là, pour rappel, BitcoinD, c'est Lightning, LND. Et je vais en ouvrir un nouveau. Hop.
Ici, j'exite. On en lance un nouveau. Network, toujours. On le branche sur Blocks. Donc, le réseau Blocks, ce que je vous avais montré avant. Je vais lui mettre un nom. Donc, du coup, c'est quoi? C'est Éclair. On va l'appeler Éclair, tout simple. LNBook slash Éclair. Ah, c'est run, pardon. Pas exec. C'est run. Exec, c'est pour rentrer dans un container. Run, c'est pour créer un container. Enfin, démarrer un container arrêté. Ou alors créer un container s'il n'existe pas. Là, en l'occurrence, il n'existe pas, donc j'en crée un nouveau. Oula, ça, oula, c'est marrant ce qu'ils écrivent. F.A.éclair router. C'est assez drôle, ça. Alors, c'est développé en Scala. Non, c'est pas des trucs propres à Scala comme log. Ça, c'est marrant. Il y a moyen. Alors, est-ce qu'il est bien run? Tac, tac, tac. Bah, je sais pas exactement. A priori, oui. Enfin, il n'y a pas eu de message d'erreur. En général, s'il n'y a pas eu de message d'erreur, déjà, c'est bon signe, hein, en général. Mais ce que j'aime pas trop, là, c'est qu'il n'y a pas d'output, là. Il se passe rien, on dirait. Ou alors, il met du temps à se démarrer. Que vous voyez, eux, par exemple, lui, là. Vous allez voir qu'il se met à jour. Il y a des outputs. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il se met à jour, qu'il se passe quelque chose. Ici... pareil, il se met à jour, voilà. Hop, il s'est passé derrière un sacré truc là, qui s'est passé. Penalty, estimate for penalty. Et regardez, là, il y a eu un code triche. Sans déconner, hein, il s'est passé ici. Alors évidemment, les logs, vous pouvez pas tout savoir d'avance. Hein. En général, c'est avec l'expérience que vous commencez à bien comprendre tout ce que sont les logs, qu'est-ce qu'ils disent. Hein. Parce que par exemple, là, il s'est passé quelque chose. Hein. Là, faut bien connaître pour savoir ce qui s'est passé. Faut bien connaître. En l'occurrence, ici, c'est C-Lightning, donc faut bien connaître C-Lightning. Hein. Bon, connaître Hélène, ça aide beaucoup pour appréhender ce qui s'est passé, supputer ce qui s'est passé parce qu'on connaît bien Hélène. Mais par contre, ça peut être aussi des outputs propres à Lightning par rapport à son fonctionnement à lui. D'ailleurs, C-Lightning, il est en alpha, on dirait. Je sais pas si c'est sa version, mais peut-être bien il est en alpha. Donc voilà, LND... Et là, Éclair qui met toujours rien en output. Bon, on va lancer une commande là, je vais suivre le livre. Ah bah il nous propose pas de commande dans le livre. Et bah écoutez, on va regarder. J'avance encore un peu. On va regarder dès maintenant. Ok, je vais. Un Pika, tu le partages pas sur les groupes obscurs. Merci. Bon, en vrai, je risque rien. J'affiche pas d'IP, j'affiche pas de clé privée de je sais pas quoi. C'est des faux nœuds, c'est juste de l'environnement bac à sable. Pas tellement d'inquiétude à avoir. Bon, du coup, je vais regarder un petit peu Éclair. Là, on va s'amuser un peu. Là. On sort un peu du livre. Je vais regarder un peu Éclair pour lancer une commande, voir s'il est bien installé. Tout simplement. Configuration de file. C'est bon, il y a... Ouais. Je crois que je vais devoir chercher sur internet Éclair CLI là pour faire des commandes avec Éclair. Parce que là. Ah, Éclair CLI c'est. Voilà, il y a Éclair CLI ici, donc a priori ça serait ça. Donc je vais me connecter sur mon container Éclair, celui que j'ai créé. Éclair. Éclair CLI. Et en général. Tout ce qui est ligne de commande, ils ont un tiret tiret help, les options help. Voilà, en général, ils vous listent un paquet de choses pour pouvoir exploiter un peu, enfin voir ce qui se passe. Ok. Et ben voilà, Éclair CLI, get info, a priori, vous voyez ici. Get info, c'est parti, on va le lancer pour voir s'il est bien connecté, s'il se passe vraiment quelque chose. Et ben, oh ben nickel, voilà. Block 8, 1001. On peut aller regarder un coup si vraiment on est au 1001. Ah oui, c'est vrai, faut que je rentre dedans, bon, tant pis. Bon, ce qu'on peut voir, par croisement d'informations, lui, il nous le donne l'info. Bon, lui, il a 995, et lui, il est au 1001. Au 1013, maintenant. Lui, il en est au combien? 1013. Alors là, eux, ils sont bien synchro, mais vous voyez que lui... Ah, c'est bon, ça a mis peut-être un peu de temps à se mettre à jour. Donc, vous voyez, là, ils sont tous bien synchro, ils sont tous au bloc 1013. Pourquoi ils sont au bloc 1013?
parce que mon Bitcoin ici, mon nœud Bitcoin, il a miné le 1013e bloc. Hein. Et là, il est déjà sûrement au 1014, 1015, etc. Parce que c'est toutes les 10 secondes, donc ça va assez vite. Bon, ok, on est bien synchro. J'ai mon nœud Bitcoin, j'ai un nœud C-Lightning, j'ai un nœud LND et j'ai un nœud Éclair. Pour l'instant, les trois, ils interagissent pas forcément entre eux. On va regarder parce que si ça se trouve, écoutez, on va regarder dès maintenant. Si ça se trouve, ils se sont déjà interconnectés grâce au protocole de Gossip. Je l'ai un peu évoqué dans le live précédent. Donc, Gossip, c'est en gros, pour le faire très très court, dans un réseau pair à pair, c'est quelque chose qui permet d'interconnecter les nœuds de façon relativement automatique. Donc, du coup, là, j'ai une commande ici qui s'appelle Peers, et Peers, ça permet de voir s'il est connecté avec d'autres. Donc, non, il est vide. Donc, pour l'instant, ils ne dialoguent pas entre eux. Ils se trouvent pas l'un et l'autre. Alors, il y a peut-être une raison à ça, hein. Je pourrais pas vous dire exactement pourquoi, etc. S'il faut faire un truc en plus, parce qu'il faut regarder les confs et tout. Voilà, ça peut être pour plein de raisons. En tout cas, ils sont sur le même réseau, ils pourraient dialoguer entre eux. Donc, building a complete network of diverse lightning nodes. Donc là, du coup, on va faire un réseau. Bah, là, on va les interconnecter entre eux, donc on va bien voir. On va bien voir ce qui va se passer. Ah, eux, ils ont fait 3 nœuds. Alors, je pense que je vais devoir les recréer, à mon avis. On va voir. Enfin, je vais devoir les recréer. Si je suis le livre à la lettre, en tout cas. Alors, une autre commande de Docker que je ne vais pas vous décrire parce que c'est pas très important. Là, ça, on rentre un peu trop dans la technique Docker. Donc là, je vais faire un Docker Compose. Mais avant, mon écran devient jaune. Je vais désactiver le truc qui permet d'être sympa pour les yeux. Mais du coup, pas très cool pour les lives. Pas dans Screen Save. C'est dans Display. Mieux, je bois un petit coup. Ah ah, Pika, tu ne serais pas quelqu'un de sauvage, dit-il à Antoine. Antoine le sauvage. Bon, eh bien continuons. Donc là, je vais vous montrer encore un autre truc, un autre élément propre à Docker que je vais décrire assez rapidement. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal. Je vais sortir d'éclair. On sort de là. Donc là, je suis déjà dans le dossier code. Vous voyez là, ici, donc j'ai LNBook, dossier code. Typiquement, hein, j'ai pris le projet du Docker, le projet du Git qui est sur GitHub. Et je vais vous montrer hein, c'est quoi exactement. Voilà, c'est le projet LNBook, il est là. Et je suis dans le dossier. Sortir de là. Et je suis dans le dossier code qui est ici. Voilà. Donc on peut voir hein, si je fais un ls pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a les mêmes fichiers ici. Hein, ouais. Docker, LNGraph. Et donc à l'intérieur de Docker, ils ont fait un fichier qui s'appelle Docker Compose. Alors Docker Compose, c'est un truc de Docker. Ça permet de lancer plusieurs instances. En fait, c'est une préconfiguration d'un ensemble de containers qu'on lance avec la configuration de leur réseau, etc. C'est un truc, tout ce que je vous ai montré là avec les Docker Run, etc. Bah, Docker Compose, ça permet de regrouper tout ça et de préconfigurer tout ça. Encore une surcouche à la manière dont sont agencés les containers. En général, on va parler d'orchestration, pardon. Enfin, ça va être utilisé pour l'orchestration, ça s'appelle. Ça, c'est le mot un peu plus technique. Oulala, ça doxe. N'embêtez pas Slals. Mais on l'embête pas, on écoute, ça parle de Gossip Girl. Un protocole de Gossip. En soi, Gossip Girl, est-ce que ce ne serait pas un protocole de Gossip? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu Gossip Girl, donc j'en sais rien. Il manque de confiance en lui, mais pas du tout. C'est super, regarde, il y a un Docker et un livre. T'es sous macOS, Jonathan, GG. Aïe. Sauver Clint. Donc Docker Compose, donc comme je vous ai dit, c'est une préconfiguration pour exécuter un ensemble de containers. Et on va l'ouvrir un petit coup pour regarder à quoi ça ressemble. Et ça, je peux vous décrire un petit peu rapidement comment ça se présente. On voit que
qu'ils ont créé donc du coup un network. En général, on le met à la fin. Je préfère qu'ils le mettent à la fin, mais peu importe. Ils créent un network LNET qu'ils ont appelé LNET. Alors je sais, je suis même pas sûr si c'est un nom. Attendez, oui, attends, c'est bien un nom. Donc ils ont créé un network. Ah oui, LNET pour Lightning Network Net. Donc voilà, un réseau de la même manière que moi j'avais fait le réseau Blocks, hein, c'est la même chose. Ensuite, ils lancent un nœud Bitcoin. Ça, c'est ce que j'avais fait au tout début. Bon, après, bon, il y a les confs, hein, on s'en moque, on va pas s'occuper des confs. Ils lancent un autre container qu'ils ont appelé Alice qui lance un LND. LND qui est défini. Ah d'accord. Il est défini. Bon, on va regarder un petit peu après. Qui lance un LND qui vient de l'image donc LND. Ça, c'est un peu ce qu'on avait fait quand j'ai exécuté les. Quand j'ai run avec Docker Run, vous savez. C'est la même chose. LND. Bob, il aura un C-Lightning. Donc son nœud Lightning sera un C-Lightning. Sera sous le projet C-Lightning. Le service C-Lightning, pardon. Chan qui va lancer un éclair, donc éclair serveur de A5. Et Dina qui elle aussi sera sur un LND. Donc il y aura deux Alice et Dina sont toutes les deux sur LND. Hein. Voilà. Et donc, très rapidement pour le contexte, ça peut être intéressant à voir aussi. Je vais y aller un petit coup. Le contexte, en fait, ça va être un dossier. Donc là, quand par exemple contexte LND, bah, c'est le dossier LND qui se retrouve un peu dans le même endroit. Et dedans, pareil, il y aura certains trucs. Qui vont être mis dans l'instance LND qui va être lancée avec quelques autres configurations qu'on voit ici. Bon, alors je vais pas tous les détailler parce que comme vous voyez il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de trucs et voilà, c'est pas le plus important à ce jour. Voilà, ça c'était pour le côté Docker, tout ça c'est des trucs de Docker, hein. C'est pas des trucs LN ou quoi, c'est purement Docker. Pika, c'est vraiment plus fort que toi hein, de faire de la politique. On dirait que c'est, tu vois, c'est ce qui te drive. C'est ce qui te fait l'essence de vivre. Politique. Politique grosse. Bon, bah voilà. Donc Docker Compose, ensemble de configurations. Vous avez vu que, voilà, les configurations sont... On peut les regarder aussi éclair, par exemple. Vous voyez qu'il y a beaucoup de configurations. Voilà, il se passe beaucoup de choses. On pourrait pas tout détailler. Donc voilà. C'est pour ça aussi que Docker, c'est pratique. Parce que s'il n'y avait pas ça, pour vraiment suivre le livre et tout, il aurait fallu qu'on suive un paquet de trucs. Et ça aurait été un petit peu long. Un petit peu long. Et surtout qu'on n'aurait pas été dans le sujet, parce que ça aurait été des trucs purement techniques, de commandes, etc. Après, c'est bien aussi de les apprendre en soi, hein, pourquoi pas. Donc c'est parti, Docker Compose. Alors moi, ce que je vais faire quand même... Je vais stop tout ce que j'ai fait. On va tout supprimer. Que maintenant c'est bon, on a pu voir un peu. Que je vais tous les refaire du coup. Je vais tous les supprimer. Tous les arrêter et les supprimer. Vous voyez que là ça va tout couper là. Vous voyez, ça a tout coupé mes trucs là. Parce que je les ai arrêtés. Tout simplement, j'ai fermé tout ça. Hop, et je vais refaire la même commande et je vais faire rm pour les remove, les supprimer. Voilà. Hop, on ferme ça. Hop. Donc du coup, le Docker Compose, je crois qu'il était dans le dossier Docker. Vous voyez qu'il y a Docker Compose ici. Donc là, je lis le dossier. LS, c'est pour entre guillemets, lire le dossier, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, Docker Compose... Non, c'est bon. Pas besoin de faire ça. C'est parti. Docker Compose. Hop, alors je vais mettre un -d, je vous explique pas pourquoi, c'est pas très important. C'est bon. Donc du coup, là c'est tout ce qu'on avait vu. Hein. Je vais revenir quand même sur le Docker Compose, comme ça on l'aura sous les yeux. Vous voyez donc là les containers BitcoinD, Alice, Bob, Chan, Dina. Et vous voyez que c'est ce qui a été lancé ici. Donc le nœud BitcoinD qui est ici, Alice, Chan, Dina, Bob. Et si je fais Docker PS, voilà, vous voyez, ils sont tous là. Et t'as entendu Pika, j'ai dit Docker PS. Alors, BitcoinD, Bob, Chan, Dina, Alice.
Donc voilà, j'ai tous mes nœuds lancés. Grâce à Docker Compose, avec toutes les préconfigurations et tout. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses derrière. Hein. C'est pas un petit truc. Et ça, c'est grâce à Docker, ça nous permet de faire ça. Évidemment, il y a des gens qui ont fourni le travail, à savoir les mecs qui ont fait le livre, c'est eux qui ont préconfiguré. Ils ont fait le travail avant nous. C'est ça qui est bien. On profite de ce qu'ils ont fait. Et de toute façon, c'est le but du livre. Ça fait, d'ailleurs, ça fait de ce livre un très très bon livre hein, quand même. Hein. Il est complet du coup. Donc du coup, c'est lancé. Et eux, ils recommandent de faire ça. On va regarder ce qui se passe. Docker logs, compose logs Alice. Donc ça, c'est pour voir ce qui se passe dans le container de Alice. Donc les logs de ce qui se passe dans le container de Alice, d'accord. Alice qui est un... On va regarder un petit coup. Alice, elle est là. Qui est un container, plutôt là, LND. Voilà. Donc image LND. C'est-à-dire que c'est un nœud Lightning Network qui est exécuté grâce à LND. Et on voit voilà qu'il se passe des trucs 861, c'est-à-dire qu'il a récupéré le bloc 161. On voit que là ça tourne, la blockchain elle tourne, voilà, il se passe des trucs. Donc là on est très bien, c'est très cool. Bon, petite pause parce que là on va commencer à faire des canaux, etc. Il va se passer des trucs. Donc petite pause. En tout cas ce live, en tout cas pour moi, il est plus posé, hein. il est moins casse-tête parce que c'est beaucoup moins théorique, c'est beaucoup plus de pratique. Et c'est plus sympa, on fait que du terminal, c'est assez sympa. Je t'ai pas appelé Bob. Ah oui, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Bon, je vais retourner mater des vidéos de magie. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas de partager. Des vidéos de magie. Ah, elle est pas mal cette phrase. Je vais regarder des vidéos de magie. Bon, nous allons bientôt faire des canaux de paiement. Donc là, on va vraiment faire du paiement, donc des faux paiements, blockchain rectest sur Bitcoin. Voilà, ça va être des faux paiements. Hein. Le but, c'est de s'amuser et de tester un peu tout ça. Et on ne fera pas de tricherie. En fait, alors, pour te répondre, DevCode Python... On va pas faire de tricherie maintenant, je l'avais déjà évoqué mais je le redis hein, du coup. Parce que ça nécessite quand même des préparations et tout. Surtout avec la rectest, vu que c'est des blocs qui vont assez vite, etc. Faut suivre les commitments transaction, etc. Donc faudrait que je le prépare si tu veux pour vraiment faire un truc propre, qu'on puisse comprendre et tout, parce que ça va être trop chaotique si je le fais là à la volée. Et donc du coup ce sera un peu contre-productif. Après, ça, pour le fun, pourquoi pas, hein, mais... Allez, c'est parti. Bon, on voit ce qui se passe chez Alice. Je vais le fermer. Oh, ça l'a pas quand même. Oh, je savais pas que ça faisait ça, moi. Je croyais que je regardais que ses logs. Ah non, c'est bon. Quoique. Non, c'est bon. Ça, c'est étonnant. Pourquoi ça a fait un. Ouais, on dirait que c'est un bug, ça, Docker. On dirait bien. Bon, peu importe. Ne vous occupez pas de l'erreur, là, on s'en moque, hein, c'est pas très important. Allez, continuons. On va créer des canaux de paiement. Alors, pour ça, on va devoir regarder, parce qu'eux, ils ont créé un .sh que je n'ai pas consulté, et on va le consulter dès maintenant pour voir un peu ce qui se passe dans ce document. Alors, je vais l'ouvrir sur Git pour la lecture, c'est un peu plus simple.
pourrais le faire en mode cat ou quoi, ou l'ouvrir sur VS Code ou Vue, mais on va l'ouvrir à la main, enfin sur le Git. Donc on va run, on va exécuter ce fichier là, qui est un .sh, donc un fichier bash, avec des langages, je sais pas si on peut dire le langage bash, hein. Je sais pas si c'est un vrai bon raccourci de dire ça, mais en tout cas voilà. Qui est un script, vraiment purement c'est un script, qui va exécuter des choses. On va essayer de comprendre un peu ce qu'il exécute. Ouais, bon, il y a un paquet de choses. Je pensais pas qu'il était aussi long. Alors, bon là il y a une fonction, on va passer wait for CMD, wait for node, on va passer. Donc echo, hein. Echo, ça c'est une commande sur un terminal, c'est pour imprimer une chaîne de caractères. Hein. Echo salut, hop, il a écrit salut. Donc là, ils impriment des trucs. Donc là, wait for node. Donc il y a une petite fonction wait for node. Donc ça, c'est des trucs de réseau et en rapport avec Docker. Donc on va pas s'en occuper. On va pas s'en occuper parce que ça, c'est des détails techniques. On va pas s'en occuper. Donc du coup, il va exécuter une CLI ici sur Bitcoin. Il va exécuter une commande sur le nœud Bitcoin qui est get blockchain info pour récupérer dans un fichier, alors je sais pas c'est quoi ce son là, pour récupérer le 801 peut-être. J'avoue que là je sais pas exactement ce qu'ils vont faire, get balance, get info, bon là ça va être plutôt des infos, et d'ailleurs ça va les imprimer, on les verra d'ailleurs. Donc là c'est, à mon avis c'est pour voir si tout run bien. Ensuite, ils récupèrent des informations de tous, ils vont récupérer les informations de tous quoi, le pub key de Alice, donc en gros leurs informations de leur nœud, donc on va dire leur identifiant de leur nœud à chacun. Vu que chacun ils ont une implémentation différente, ils vont pas chercher les mêmes fichiers. Ici vous voyez que ça va chercher ID, enfin les mêmes champs pardon, je vais pas dire ce que c'est JQ, c'est trop, on s'en moque, c'est pour traiter de l'information en JSON, mais peu importe. Là ils vont chercher l'information identité pub key, donc l'ID du nœud de Alice. Là, ils vont récupérer l'ID du nœud de Bob. Là, ça récupère l'ID du nœud de Chan. Et l'ID du nœud de Dina. Et on remarque, Dina et Alice, c'est la même. Parce que les deux, là, Alice et Dina, ont toutes les deux un LND. Donc, LND, l'ID du nœud, on le trouve dans le champ Identity PubKey. On peut même aller regarder très rapidement. Je vais rentrer dans le nœud d'Alice. J'aurais pu faire une blague grivoise, mais je ne la ferai pas. On rentre dans le nœud de Alice. Et du coup, on va faire LND, non, LNCLI, get info. Et vous voyez que Identity PubKey ici, voilà, vous voyez que c'est l'ID, hein, voilà, c'est l'ID de son nœud, hein, concrètement. Donc en gros, là, ça récupère ça, et voilà. Donc ça les récupère de tous, ça les met dans la variable, hop, c'est des variables, ça, tac, 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 pour chacun. Ensuite, bah, il va les imprimer, on les verra. Ensuite, là pareil, ils vont chercher d'autres infos. Là donc en gros c'est des choses pour voir s'ils sont bien synchro, tout simplement, s'ils sont bien synchro. LND c'est marrant, eux vous voyez, il n'y a pas vraiment d'infos pour savoir si c'est synchronisé. Eux, on est obligé de regarder sur quel bloc 8 on est, donc bloc 8, le numéro de bloc, le dernier numéro de bloc. Par contre LND lui, il nous informe si on est bien synchronisé. C'est assez intéressant. Et moi, en l'occurrence, alors je suis pas sûr s'il va me... Parce que moi, je crois qu'il manque encore des trucs. Ah oui, il faut que j'unlock mon wallet. C'était ça le problème. Ouais, bon, tant pis, peu importe. Donc voilà, LND, en tout cas, il nous donne l'information si on est bien synchronisé. Je suis bête, en fait, j'aurais pu le faire là, tout simplement. Si on est bien synchronisé. Si on est bien synchronisé avec la blockchain de Bitcoin. Voilà, sync to chain. C'est-à-dire que je suis bien synchro avec le nœud complet Bitcoin. Qui tourne toujours, pour rappel, en regtest, c'est-à-dire qu'il mine des blocs toutes les 10 secondes, etc. Avec des faux Bitcoin. Bon, là, il se passe beaucoup trop de choses, donc ça va peut-être prendre un peu trop de temps de regarder. Bon, là, clairement, ils vont lister les peers. D'accord, ils vont checker. Alors, ce truc-là, c'est pour checker si les connexions sont faites déjà ou pas. Donc, les connexions entre les peers, pour rappel, les nœuds LN...
il y a deux choses. Ils se connectent entre eux, c'est ce qu'on appelle des peer nodes, des nœuds. Donc ça, c'est pour le réseau pair à pair. Ils se connectent entre eux pour se partager de l'information, première chose. Et ensuite, ils peuvent se connecter entre eux avec des canaux de paiement, créer des canaux de paiement. Donc il y a deux types de connexions. La connexion de type réseau pair à pair et la connexion de type canaux de paiement. Donc là c'est la connexion pair à pair. Ils checkent si la connexion pair à pair a été faite. Là, ils tentent de faire créer une connexion pair à pair grâce à la commande open channel. Ah non, alors là, pardon. Là, il commence à ouvrir un channel carrément. Là, il open channel. Là, il ouvre un canal de paiement. Donc, c'est la deuxième étape. Il ouvre un canal de paiement. Là, ils font pareil Bob to Chan. Donc, c'est le même style de commande. Bob to Chan. Chan to Dina. Chan to Dina. Et ensuite, donc, ils créent aussi des channels à chaque fois. Alors là, ils ouvrent. Ils ouvrent aussi un canal. Vous voyez, avec Funding Satoshi. Vous voyez, Funding Satoshi, ils mettent combien là, c'est 1 million, c'est ça? 1 million de Satoshi. Vous vous en souvenez, ce qu'on avait dit, donc c'est le fund d'un channel. On met une valeur initiale sur un channel. Il faut qu'il y ait au moins un des deux qui mette une valeur initiale. Par exemple, Chan to Dina. Chan peut mettre de la valeur, donc des Satoshi, mais Dina peut ne rien mettre. Hein. Ou alors, les deux peuvent mettre quelque chose. Ou alors, Dina met quelque chose, mais pas Chan. Vous voyez, un canal, ça peut être ouvert avec quelqu'un qui met zéro, mais il faut à tout prix qu'il y ait au moins une des deux personnes qui mettent de la valeur dedans, dans le channel, dans le canal de paiement. Donc là, après, waiting for channel, il se passe encore des trucs. Donc la création, c'est des choses pour certifier que la création des canaux a bien été faite, bien été opérée. Ah, donc là, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors ça, on le verra en détail plus tard, donc je vais pas le décrire, mais en tout cas, ça, c'est pour voir le routing, où ça en est. Et ça, c'est intéressant, on va voir ce que ça va imprimer. Donc ça, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on le verra bien en détail plus tard, hein, vous inquiétez pas. Et là, on fait un paiement. Là, ils font un paiement entre Alice et Dina. Dina crée un invoice. Voilà, elle crée un invoice. Donc invoice, pour rappel, c'est une requête de paiement. Elle envoie à Alice et Alice fait le paiement. Voilà. Grosso modo, c'est ce qui se passe. Création d'un réseau, connexion des peers, création de canaux. Et ensuite, Alice qui fait un paiement à Dina. Tout simplement. Enfin, tout simplement. En vrai, il se passe beaucoup de choses. Donc du coup, j'exécute donc c'est ce fichier-là qu'on a lu. Donc je vais exécuter ce fichier-là. C'est parti. Alors là, nous sommes mal barrés. Alors attendez, je vais regarder pourquoi ça fait ça. Pourtant. D'accord. En fait, il faut que je l'exécute avec Bash, j'imagine. C'était ça. Allez, c'est parti. Donc on va regarder après, là il se passe beaucoup de choses, vous voyez. A priori ça se passe bien, donc là tout ce que vous voyez c'est les échos à chaque fois. Je laisse ça terminer. Donc là elle crée la blockchain, donc pour rappel je mine des blocs toutes les 10 secondes. Donc là ça va attendre un petit temps parce que je crois qu'ils vont attendre 6 confirmations de blocs. Donc du coup ça va être 60 secondes. Donc du coup une minute, normalement là on attend une minute à peu près, hein, parce que si, enfin voilà, c'est à peu près. Donc du coup, bon on a attendu largement moins de 60, donc là on a attendu à peu près 10 secondes, en fait non, ils ont attendu qu'un seul bloc et non pas 6 blocs. Donc on voit Bob connected, waiting for channel, Alice et Bob ont fait un channel, on crée un canal de paiement, Bob et Chan ont créé un canal de paiement, Chan et Dina ont créé également un canal de paiement, ils ont tous créé un canal de paiement ici. Et après, on va voir, il y a un schéma dans le livre pour montrer un peu ce qui s'est passé, quel type de chemin ils ont fait. Donc ça m'évitera moi de me faire un schéma. Cool. Donc du coup, check Alice route. Donc là, ça regarde, ça contrôle si ils ont bien une route existante. Donc là, on vient au sujet du routing. Mais vous inquiétez pas, qui sera décrit dans des prochains lives, le routing. Oh, ça prend un peu de temps, hein. Ça c'est assez drôle. C'est assez drôle que ça prenne du temps comme ça. J'espère que ça n'a pas foiré quelque part, en tout cas.
C'est un temps pour méditer. Pour méditer sur le sens de l'univers, de tout ça. La magie de Pika. Alors j'espère qu'il a pas foiré là, parce que je vous avoue que ça met, je pense, trop de temps pour ça. Donc ce qu'on va faire... Hop. Ah, attendez. Oh bah ça... C'est assez étonnant. Alors je me demande... Alors je me demande quand même si là, ils ont attendu pour une confirmation, ils ont attendu qu'un seul bloc. Mais peut-être que les nœuds LN, eux, ils attendent 6 blocs. Et c'est pour ça que certains, ils attendent plutôt une minute. Ou pas, hein. C'est peut-être pas ça. Parce que là, normalement, on aurait dû attendre une minute au total et ça aurait été bon. Donc attendez. Que je vais faire, je vais chercher un petit coup dans le code ici pour voir c'est quoi la commande qui fait qu'elle attende. Describe graph, d'accord. Et là c'est assez intéressant de voir ça, c'est ça évoque, oula, trompé de touche. Ça évoque qu'il y a une certaine difficulté pour faire le routage et pour calculer le routage en l'occurrence. C'est pas quelque chose. Wait, or... Ah, faut regarder toutes les fonctions là. Ouais, c'est assez étonnant. Je vous avoue que là, je suis assez étonné que ça prenne du temps comme ça. Si chacun met ses Satoshi pour le canal, qui paie? Alors, comme, faut que tu précises payer quoi? Parce que mettre des fonds dans un canal, ce n'est pas payer, hein. Mettre des fonds dans un canal, ça veut juste dire alimenter un canal de paiement. Et donc, ça, par exemple, si moi je mets 1000 Satoshi sur un canal de paiement, ces 1000 Satoshi m'appartiennent toujours. J'ai rien payé, j'ai juste financé un canal. Et en gros, si on ferme le canal, moi, si j'ai pas fait de paiement, je récupère mes 1000 Satoshi. Ensuite, si tu dis qui paie dans un cas de paiement, bah, admettons, Dina fait une invoice et elle l'envoie à Alice, c'est Alice qui va payer l'invoice dans ce sens-là. Pour les frais. Si tu me demandes qui paie les frais quand on crée un canal de paiement, les frais Bitcoin, c'est la personne qui initie la création d'un canal. Là, en l'occurrence, par exemple, ici, on voit que Alice crée un canal avec Bob. C'est Alice qui a initié la création du canal. Donc, c'est Alice qui paye les frais, là. Ouais, bon, oh, ok. Donc, c'est Alice qui paye les frais de la création du canal. Voilà, dans ce sens-là. Et à l'inverse, si un jour il ferme le canal, c'est Alice qui va aussi payer les frais de fermeture d'un canal. C'est vraiment à l'initiative de l'initiateur. Non, c'est vraiment à la charge de l'initiateur, voilà. Bon, ça prend un peu le temps, hein. C'est le temps de... C'est le temps de vous poser, de vous servir peut-être un café ou un truc. Ah, café à cette heure-là, faites attention. Hein. Buvez plutôt un verre d'eau. Moi, personnellement, le café, ça me fait plus rien. Je pourrais prendre un café et je dors dans 15 minutes après le live. Ouais, moi, il n'y a pas de problème. Je pourrais m'en faire. Je me demande même si je vais pas m'en faire. Je me pose des questions. Alors, vous voyez, en arrière-plan, les étoiles scintillent. Enfin, les étoiles. Du moins, les boules lumineuses. Parce que c'est des étoiles, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais les étoiles scintillent. Et pour qu'elles scintillent, je peux vous dire que j'ai fait une astuce de grand seigneur. Mais vraiment. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour connaître l'astuce. Parce que la vidéo de base des étoiles, là, les étoiles ne scintillent pas. C'est moi qui ai ajouté quelque chose pour que ça scintille. Sans rentrer dans les détails, ça passe par un pavage de Penrose. Voilà. J'en suis pas peu fier. C'est pour ça que je vous en parle. Ça n'a rien à voir avec Hélène. Alors, pourquoi pas demander à Bob de créer le canal et qu'Alice mette ses Satoshi, comme ça elle n'aura pas à payer la création du canal.
Eh ben, comme, dis-moi si je me trompe, tu t'appelles bien Patrick, hein. C'est bien ça? Si c'est pas ça, tu me dis. Pour te répondre, Alice pourrait demander à Bob de créer le canal. Et Bob, il va dire ouais, pourquoi pas. Tu vois, c'est à lui de décider après s'il veut le faire. En général, quand même, c'est quand même toi l'initiateur qui va créer le canal, bah, qui le fait, quoi. Mais on pourrait, hein. Ce que tu dis, c'est pertinent. Elle pourrait demander à Bob de lui créer le canal pour X ou Y raison. Ça peut se faire, ça peut se faire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Alice, elle donne son identifiant de son nœud à elle à Bob, et Bob, grâce à l'identifiant du nœud d'Alice, il est capable de connaître le nœud d'Alice et de créer un canal avec Alice. Aussi simple que ça. Ok, d'accord. Je m'en souviendrai. En général, pour les prénoms, j'ai plutôt une bonne mémoire. Mais des fois, il se pourrait que... C'est vrai que ça m'arrive aussi des fois de mélanger des prénoms. Salut Alexion, en fait, je sais pas si t'es encore là, mais t'avais dit hey. Alors bonsoir à toi, bonsoir à toi. Nous sommes dimanche soir, 23h31. Je suis là pour vous rappeler où on est, quand on est sur Terre, Galaxie Voie Lactée. Enfin, a priori, hein, moi j'en sais rien. Hein. Peut-être bien. Possiblement. Nous sommes en train de créer un canal. Enfin, Alice est en train de farfouiller des canaux, mais Alice semble réellement galérer. Hein. Enfin, Alice, réveille-toi un peu. Crée-moi. Enfin, non, c'est pas ça. Apprends à connaître ces canaux de paiement. T'as juste à fouiller dans le graphe. Alors, fouille le graphe, Alice. Merci. Alors vous noterez que un point est imprimé toutes les 1 seconde. Donc un point est 1 seconde passée. Ouais, c'est ça. Hein. Describe graph, a priori, ça prend son temps. Hein. Ah d'accord, ok, je viens de comprendre un truc là. Là, vous voyez, donc là on est au 2. Bon, je vous remontre un petit coup. Donc là on est au Channel 2, d'accord? Ici, elle attend qu'il y en ait un troisième. Écoutez, on va aller exécuter cette commande juste pour voir un peu ce que ça raconte. Pour voir où c'en est. Alors j'espère que ça n'a pas bugué, je vous avoue que là, ça m'inquiète un peu en vrai. Docker, exec. Donc c'est Alice. On se connecte sur Alice. Et je fais LNCLI, parce qu'elle a un LND, donc je connais la commande CLNCLI, et je fais Describe Graph de cette façon-là. Et donc, on va regarder ce qu'elle est en train de chercher là actuellement. Donc, elle est en train de chercher Edges ici, le champ Edges, qui est ici, Edges, vous voyez, il est là. Et donc, là, elle fait le Length, donc Length, ça va être la taille du tableau. On voit qu'Edges, c'est un tableau. Voilà. J'ai peut-être un peu vite, hein, mais bon, si vous connaissez un peu, bon, vous arriverez à suivre. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, on voit qu'Edges, c'est un tableau. Et dans ce tableau, nous voyons qu'il y a déjà une première valeur, ici. Première valeur. Seconde valeur qui est là. Et voilà. Effectivement, pour l'instant, il n'y a que 2 valeurs. Il y a un canal qui n'a pas été créé. Alors, est-ce qu'on va le faire à la main? Peut-être bien. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Checks, allez, hein, waiting, mais... That it may take a while. Bon, bah, c'est étonnant, après eux, ça prend du temps. Hein. Attendez, je vais regarder dans le livre si ils expliquent pourquoi ça prend autant de temps. C'est assez étonnant. Alors, est-ce qu'ils expliquent quelque part pourquoi ça prend du temps? As you can see, the output script for each of 4 nodes, then it connects the node à 1000 Satoshi. If the script fails, you can try running it again from the beginning, and you can manually issue the confound in the script one by one, look at the results. There is a lot of preview in that script, but as you gain understanding, of course you can do a lot more with the test network than a 3-channel 4-node payment. Here are some ideas. Donc après il donne des idées pour aller un peu plus loin. En fonction de l'heure,
Non, je pense pas que je vais le faire là. Ok. Alors, peut-être là ça a planté, mais bon, vous voyez que c'est écrit là, This may take a while. Alors, peut-être ça prend un peu de temps. C'est étonnant, mais écoutez, si je vais attendre encore un peu, si ça se débloque pas, eh ben, on va essayer de le débloquer à la main, en fait, en créant nous-mêmes des canaux de paiement. Parce que je crois que c'est ça qui l'attend là. Ah non, c'est le Roots. As a Roots to Dina. Alice doesn't have a Roots to Dina. Craft things. This may take a while. Ok, d'accord. En fait, là, ce que Alice cherche, c'est la connaissance des trois canaux. Donc, on va aller vérifier si les trois canaux existent déjà. Ça va être la première chose à faire. Si tous les canaux étaient créés, on va faire en sorte que faire en sorte qu'Alice le connaisse à la main. On va l'ajouter à la main. Alors ça, je ne sais pas exactement comment on va le faire. Je connais pas la commande, mais ça va être une bonne occasion d'expérimenter un peu. Et ensuite, on fera l'invoice à la main aussi. Bah, Patrick, tu me dis que c'est plus rapide sur le mainnet que le regnet, le regtest. Tu me diras, ça s'appelle peut-être regnet. Hein. Je t'avoue que j'ai jamais vu ce terme, mais c'est peut-être ça. En tout cas, on appelle ça un regtest plutôt. Bon, après, si tu veux, le LN aujourd'hui, maintenant, là, sur le mainnet, le réseau LN. Il est déjà bien en place, donc il y a tout un routing de déjà en place qui se calcule relativement vite. C'est pour ça que du coup ça va plus vite. Là j'ai l'impression qu'il se crée from scratch un peu, donc depuis le début. Et peut-être ça prend du temps. Alors honnêtement, pourquoi ça prend autant de temps, c'est très étonnant. Hein. J'ai l'impression que c'est normal, juste parce qu'ils ont mis ça. Voilà, c'est ce qui me donne l'indice que c'est éventuellement normal. Hein. Et bon, pour être franc, moi ça m'étonne un peu que ce soit aussi long. Je vois pas exactement pourquoi. Mais là, c'est peut-être buggé, hein, tout simplement. Donc si c'est ça, de toute manière... Ah, je m'éteins. Bon, moi, je vais me faire couler un café. Et on verra bien si Alice, elle a connu un troisième canal ou pas. Je reviens. Peut-être y aura une surprise. Et peut-être pas. Et si c'est pas bon, je vais corriger cette situation à la main. On va mettre les mains dans le cambouis. On va retrousser les manches.
Bonjour. Bon, bah, y a pas de bonne surprise. Alice, bon sang, Alice. Mais un peu du tien, Alice, voyons. Alors, donc, ce qu'on va faire. Bah, là, je suis déjà connecté sur Alice. Je crois. Comment je peux le savoir? Ouais, faudrait que je sorte. On va écouter, je suis quasi sur Alice. Non, écoutez. On était bien sur Alice. Donc, c'était au niveau du graphe. On va regarder s'il y a des choses intéressantes au niveau du graphe. Alors, au niveau du routing ou du graphe, hein. On-chain, c'est pas ça. Invoice, graph. Get not chain info. The network graph. Ok, ça c'est intéressant. Open channel, list channel. Bon, normalement, elle a le channel avec. Elle en connaît un seul, ce qui est normal. Enfin, c'est pas l'en connaît un seul, on en a créé un seul, ce qui est normal. Peut-être Kiri Roots. Pas certain que connecte, je pense pas, parce que peut-être si, en fait, d'ailleurs. Elle est connectée à qui, là? Elle a un pire. Bon, en tout cas, je sais que eux, ils avaient pas prévu dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vais vous montrer un coup le schéma. Le fait qu'elle ait qu'un seul pire, c'est normal. En tout cas, eux, ils avaient prévu ça de cette façon-là. Je vais ouvrir la page directement. La page au bon endroit. Ici. Oh, attendez. C'est là. Voilà, en gros, eux, ils avaient prévu ce schéma-là. Alice connectée à Bob, Bob connectée à Chan, Chan connectée à Dina. Et l'idée, c'est que Alice, vous voyez, elle doit connaître 1, 2, 3 canaux de paiement pour atteindre Dina. La commande, là, qui met 20 ans, là. Donc là, elle a trouvé deux canaux pour le routing, hein, vraiment, deux canaux. Alors, peut-être lui et lui, lui et lui, j'en sais rien. On va essayer de voir, d'ailleurs. Ça va être un peu chiant pour regarder, je vous avoue, parce que faut choper les haches de tous les trucs. Voilà, ça prend un peu le temps. Ouais, mais je pense qu'on va le faire, c'est amusant. Et puis, je suis encore loin, il reste encore une heure pour atteindre mes symboliques 3 heures de live. Donc du coup, 3 canaux de paiement. Elle en attend 3, elle en a que 2 aujourd'hui. Voilà. Là, c'est le problème aujourd'hui qu'on a pour faire le routing vers Dina. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui lui manque comme canal de paiement. Essayer de voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc du coup, et c'est pas au niveau des peers. Donc là, alors on pourrait regarder au niveau des peers de chacun. Est-ce que c'est intéressant? Je me pose la question, est-ce que c'est intéressant de voir les peers? Écoutez, on va voir les peers de chacun. Je vais me connecter sur chacun. Alors le truc là qui m'embête, hein, c'est que par exemple sur Bob... Bob, par exemple, il utilise Éclair, et bah je connais pas Éclair, donc il va falloir à chaque fois que je trouve les commandes pour chacun. Et à chaque fois, ça va être différent. Enfin, pour Éclair et C-Lightning, c'est différent. Donc lui, c'est Lightning Day, donc ça va être C-Lightning. Donc c'était, de mémoire, Lightning CLI. Alors peut-être comme ça. C'était bien ça? C'était bien ça ou pas? Non, c'était juste Lightning, je m'en souviens. C'est juste Lightning-L.
Ah. Ah. C'est bien ça? À mon avis, c'est pas ça. Hein. Parce qu'à mon avis, il y a deux types de CLI. Deux niveaux de CLI, moi. On va aller sur le projet Lightning. Alors ça, je vais le fermer. Ah. Je fais une erreur, parce que c'était bien lui. Ah non, c'est LND. Là, on est où? Lightning D. Lightning CLI. D'accord, j'ai compris. Ok, donc je voulais voir lui. Donc là, on est sur Bob. On va suivre le schéma, écoutez, on va faire ça propre. Bob, il est censé être connecté à Alice et Chan. On va vérifier ça. Ça, je vais le fermer. Donc du coup. C'est les pires ce qu'on veut. Oh là là, il y a beaucoup de trucs là. Hein. J'arrive pas à suivre et puis c'est. Ah, liste pires, ok. Liste pires, ça m'a l'air pas mal. Ok, liste pires. Normalement, lui il en a deux. Hein. J'espère bien qu'il en a deux, sinon ça va être un peu chiant. Ok, il en a deux, nickel. Il a lui. La petite astuce, ça, c'est pour les conserver de côté. Écoutez, je vais faire un truc mieux. Je vais ouvrir VS Code, ce sera plus simple pour suivre. Je vais ouvrir un fichier quoi. Hop, on s'en moque. On va faire ça. Excusez-moi. Mais on place l'environnement tour. T'as fait sur ça. New file. Voilà. Ok, Bob. Pierce. On va faire ça. Donc Bob Pierce, il y a lui. Et il y a lui. Hop. Ok, Bob, c'est fait. Ensuite. Elle. Donc ça c'est Alice de mémoire. Pierce. Alice. Alice. Pierce. Hop, je vous zoome un peu. Voilà. Les pierres d'Alice. On va les regarder. Les pierres de. Bah de, des autres. Je sais plus qui c'est qui là. Il y a Alice. Chan, 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 Chan. Chan. Ma machine a commencé à charger, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à souffler la machine. Ok. Éclair, c'était quoi? C'était Éclair CLI peut-être? Éclair CLI. Help. Pas du tout. On va regarder la doc rapidement. Tac, tac, tac. Là on est sur quoi? Lightning. Éclair. Alors éclair. Bah, en plus j'avais fait tout à l'heure mais j'ai oublié ce que c'était. Ça, c'est la conf, éclair node. C'est pas éclair node quand même. C'est un peu bizarre. Hein. Ah oui c'est ça. Bah ça c'est éclair CLI. J'ai pas fait ça. Ah d'accord, j'ai attaché. Éclair CLI help pour regarder un peu qu'est-ce qu'il nous offre pour lister les peers. Open channel peers. Hop. Donc du coup c'est éclair CLI peers. Hop. Donc chan. Oh c'est marrant ça. On voit là en fait c'est parce que c'est la vu que c'est avec le Docker Network et tout il est directement connecté au container. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le souci parce que lui il avait clippé. Hein. Je pense pas honnêtement mais bon, quand même curieux en vrai que. Bon, c'est bizarre celui-là. Alors Chan il est connecté avec. Enfin, elle est connectée avec Bob et Alice. Ce qui est tout à fait normal. Chan Pierce. Enfin elle est connectée avec deux. On va voir c'est qui hein, les deux. Ah oui d'ailleurs, je peux faire un autre truc après. Donc.
c'était qui ça? 021, ok. Et connecté à celui. Et donc, ce que je peux faire aussi, c'est get info. Pour avoir son identifiant, elle, Noid ID. Donc, elle, c'est ça. Donc, elle, c'est la 0216. Donc, on voit qu'elle est bien connectée avec Bob, c'est normal. Je vais le faire aussi pour Bob. Est-ce que c'est get info? Je sais pas. C'est bien ça. Ok, Bob, c'est 039A. Donc, 039A. Ok. Donc Chan normalement est connecté aussi à Dina, bon ça on va le voir après, et Alice son nœud. C'est LNCLI get info. LN c'est ça. Hop. Alice. Donc c'est à 031. Donc elle est connectée avec Bob, normal. Et Bob lui il est connecté à Dina. Bon, là on est bon. Alice connectée à Bob, Bob connecté à Dina. On a les deux liens de Bob, et ensuite, il y a lui qui nous manque, ça devra être Dina. J'avais dit Dina, c'est Chan, et là il nous restera Dina. Donc normalement, à moins que Dina ait un problème, mais je pense qu'on va être bien. Je pense qu'on va être bien, donc sur ça on est bien. Ah oui, c'est vrai, elle a aussi un LND. Donc elle, son H, c'est celui-là. On s'en doutait un peu, parce que c'est lui qui manquait, donc c'était lui. Voilà, c'est celui-là. Et c'est Piers. Alors normalement, elle en a qu'un. Elle en a qu'un. Et celui-là, donc, c'est Chan. Bon, on est bien. Topologie de réseau, on est propre. On a la connexion, du moins on a la connexion attendue. Salut Mehdi, bonsoir à toi. Merci à toi de passer. Merci à toi de passer. Éclair CLI, ouais c'était ça. Éclair-CLI. J'aime pas trop honnêtement les commandes comme ça avec des tirets quoi. Moi je préfère attacher. LNCLI, voilà. LN c'est très bien. Voilà. LNCLI, on s'y retrouve. Mais j'aime pas les tirets, c'est trop perturbant. Ok. Topologie de réseau, propre. On est bon. D'ailleurs, est-ce que ça a avancé depuis qu'on a checké tout ça? Bon, on voit que non. Maintenant, on voit qu'en fait, le problème, c'est côté canaux. Et côté canaux, il y a un truc qui va pas. Donc, on va regarder chacun leur canot à chaque fois. Donc là, on est sur Alice, ici. Donc, LNCLI, List Channels. Pour voir les canaux. Donc, on voit que... est-ce que je vais le noter ou pas? Rimop Pupki. Ça se correspond à quelqu'un ou pas ça? Ah, yeah. Ça, c'est chiant. Ah, super, ça. Ah, c'est super. Ça nous dit avec quel nœud ça a été créé ici, donc ça c'est la valeur. On sait que je pourrais l'avoir là-dedans. Donc ok, ce que je vais faire, on va bien noter ici. Alice. Bob. Donc là j'ai bien vérifié qu'elle est bien connectée à Bob. Channel Point. Alors je sais pas quelle info je devrais plutôt garder, peut-être le Chai ID. On va prendre le Chai ID. Bon voilà, Alice est bien connectée à Bob. Ensuite, donc ça veut dire que Bob est connecté avec Alice. Hein. Là je mets la flèche pour dire que ça a été initié par Alice. Enfin je crois d'ailleurs, je suis même pas sûr que ça a été initié par Alice. Mais peu importe. En tout cas Bob, Alice. Donc Bob ça veut dire qu'il est connecté à Alice. Maintenant je vais voir si Bob... Ouais, c'est marrant ça. Mettre un alias là. Bizarre Iron. Donc Bob. Super. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ok.
Bob. On va voir si c'est ça la commande, je sais pas. Bah c'est bien ça. Donc Bob. Bob. Normalement Bob il a deux canaux. Donc voilà, le canal vers Alice. Source. On va regarder si c'est bien Alice. Hein. Ah c'est mort, destination. Ah non, alors source. Écoutez, je vais regarder un coup. Source. Ah oui d'accord, source, donc ça a été initié par Alice. Source. Et destination c'est lui-même. Donc là c'est le canal d'Alice. Et ça c'est... Oh! Ah non, j'ai cru que c'était aussi Alice. Du coup j'allais dire, là il y a le problème. Mais non, c'est bon. Donc du coup... Donc lui, source c'est lui-même, Bob, qui a initié un canal vers lui, qui est sûrement Chan. Pardon? Bah il est peut-être là le problème. Ou alors ils indiquent les deux dans les deux sens? Ah oui d'accord, ok c'est deux dans deux sens, normal, ok d'accord, pourquoi pas. Donc du coup, là, c'est voilà, là c'est le canal vers Chan, source, et destination c'est lui-même. Voilà, c'est lui-même. Attendez, j'ai pas fait une bêtise. Hein. J'espère pas, j'ai l'impression que j'ai collé un truc là. Ok, et là c'est l'inverse. Ouais c'est ça, c'est l'inverse, ok. Bon, on est bon. Short channel ID. Y'a pas un channel ID là? Flag. Y'a pas de channel ID. Bon bref. On va bien mettre que Bob envoie vers Chan. Au moins on garde l'info quelque part. Bon Bob, il a bien un canal de paiement vers Chan. Donc sur ça on est bon. Maintenant regardons Chan. Ici on est chez... On est chez Chan qui a un éclair, Chan. List channels. Ah. Ce n'est pas la bonne commande pour éclaircir Ali. Éclaircir Ali. Alors vous, vous voyez peut-être pas, mais là mon PC rame un peu. Hein. Il souffle un peu. Un peu dérangeant, mais ça va. Oh là 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 là. Alors là par contre lui il imprime du monde. Bon peu importe. Donc là il est connecté. Alors lui il a un channel ID. C'est bizarre qu'il en ait pas. Lightning il nous donne pas le channel ID, c'est un peu chiant parce que ça se trouve j'en ai besoin. Enfin du moins je l'ai pas vu du reste. Donc là c'est Dina. Donc là on est chez Chan. Donc Chan il est bien connecté à Dina avec ce channel là. Donc je vais le mettre là. Chan. Dina. Avec ce channel ID là. Donc Chan Dina. Chan Dina. Bon en vrai je vais plutôt mettre dans ce sens là. On va faire. Chan. Donc Dina Chan. Normalement on a Chan Bob. Ou Bob Chan c'est pareil. Et ensuite Alice Bob. On a les trois canaux. C'est bon. On a nos trois canaux. Donc ça c'est contrôlé. Donc, on a bien ce schéma-là. Maintenant, faut voir pourquoi il n'y a pas le graphe. Ils ont les canaux, mais ils n'ont pas le graphe. Enfin. C'est plutôt Alice. Je vais relister un coup le graphe. C'était describe graph, voilà, c'est ça. Après, je vous le dis, hein, on peut résoudre le truc très facilement. Hein. Je vous le montre. Hein. Il suffit de connecter Alice et Dina. Donc créer un canal entre Alice et Dina. Et le routing il va être résolu en 2 millisecondes. C'est que Alice vers Dina, ils font un paiement. Donc le but, ce qu'on veut faire au fait, le script, je vous rappelle. On veut faire un invoice de Dina vers Alice. En gros, que Alice et Dina puissent faire un paiement. Et le but, c'est de faire tout un routing qui passe par tout ça. On peut régler le problème facilement, c'est en faisant un canal entre Alice et Dina. Et là, bah, le paiement il va être résolu en 2 secondes. Mais on essaye de voir pourquoi là, elle n'arrive pas à trouver. Dans le Describe Graph, il nous montre les edges. Les edges, donc, bah, typiquement sur le schéma, c'est ça les edges. Hein, c'est ça là. Hop. Mais là, il en manque un. Voilà. Tout simplement, il en manque un. Alors du coup...
Là, on va regarder c'est quoi qu'il connaît et qu'est-ce qui manque. Pour essayer de capter. Il connaît le edge entre Chan et... Entre Chan et Bob. Donc, je vérifie un coup. Chan et Bob, voilà, il connaît lui. C'est bon. Propre. Et il connaît quoi d'autre? Il connaît celui de dessus là. Il connaît celui-là, qui est Alice. C'est le sien du coup. Vers Bob, j'imagine c'est ça. Alice vers Bob. Mais elle connaît pas. Lui, on ne sait pas là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça n'a pas été communiqué là. Donc du coup, ce qu'on va faire. Enfin, ce qu'on va faire. J'en sais rien si ce qu'on va faire. Je sais pas si je peux ajouter un canal, je crois pas, à la route. Enfin, en tout cas, j'ai jamais fait ça et je sais pas si on peut le faire. On va regarder. LNCLI. Help. Est-ce qu'il y a un truc qui me permet d'ajouter un canal routing? Je suis pas sûr. Alors, pire, on est bon. Il n'y a pas besoin de s'occuper de pire, on est bon. Query routes. Je sais pas ce que c'est, par exemple, ça. On pourrait essayer de faire un query route. Ah, build route. À build route. Build route, ça me parle. On peut essayer ça. Et ben, je pense qu'on va essayer ça. Donc, on voit que c'est écrit build route from a list of hop pub keys. Alors, hop, ça, c'est un truc de routing. Et dans le cas de LN, je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Franchement, là, je sais pas. Je connais pas assez le routing sur LN pour le savoir. On va essayer de lui donner une pub key. On va essayer de lui donner la pub key de Chan ou de Dina. Je vais donner celle de Dina, ça ira plus vite. Pub key de Dina, c'est celle-là. Je l'ai copiée. Et nous allons voir. Donc c'était build de route. LNCLI, build route. Donc, hops required. Alors, est-ce qu'il va un tableau? Ah, bah, c'est sympa ça. LN. Alors, je crois qu'LNCLI est bien fait. Il suffit de faire route help pour qu'il me dise un peu plus. Essayons-tirer help. Ok, il m'en dit un peu plus, c'est bien. Build route from a list of public. Build route command option argument. Payment. Amount. I know. Hop. Donc, faut provide ça. Comma separated ex pupille. Short channel outgoing to use for the first hop. Ah, je pourrais essayer ça aussi. Bon, on va essayer d'un coup ça déjà. Oops. No matching outgoing channels available for node. Outgoing channel. Alors, du coup, on va essayer sur chan. LNCLI, bulle en route. Alors, il faut une liste. On peut essayer de faire. Que peut-être, là, ce qu'ils sont en train de me dire, peut-être, c'est que il faut connaître d'abord un channel entre Alice et. Parce que si je fais directement vers Chan ou Dina, vu qu'elle connaît pas. Elle le connaît, parce qu'elle a un canal. Bon, je vais essayer ça, on va voir, mais. Ok, Bob et Chan. Ah. Il s'est passé un truc. Mais par contre, ça n'a pas changé le graphe. On va voir ça peut-être après un peu de temps. Oh là là, ah, c'est lui qui me pompe de la ressource là. Ouais, le script là, il me pompe un max de ressources. Alors là, vous voyez qu'il s'est passé un truc. Écoutez, je vais faire un truc. Je vais arrêter le script. Arrête pour moi. Ah, de la vie. Donc, on va refaire un describe graph. Bon, en tout cas, il en reste que deux toujours. Ah non? Ah non, si, il en reste toujours deux. Alors là, ce que j'ai fait, ça a pas rajouté un edges, mais ça a créé une route a priori. Route total time lock, total fizz, hop, chain ID. Capacity. C'est vers qui ça?
Oh, en fait, il a juste considéré Bob. Alors, peut-être ce que je peux essayer de faire. On va refaire la même chose, mais on va tout lister en fait. Je vais aussi aller jusqu'à Dina. Et ça, du coup, c'est qui? C'est toujours Bob. C'est pas ce que j'aimerais en fait. Moi, je me demande quand même un truc, on va essayer quelque chose. Peut-être. Alors là, il connaît pas tous les edges. Mais peut-être qu'on peut quand même la faire lancer les trucs là. Donc ce que je vais faire, je vais créer un invoice. Donc je vais copier ça. Chez Dina. Donc la commande de Dina, Dina, c'est un LNCLI. Create an invoice 1000. Hop, j'écris donc ça, c'est une invoice, d'accord? Demande de paiement, requête de paiement. Ensuite, donc Dina qui fait une requête de paiement vers Alice. Donc pay invoice. Aïe. Non, enfin si, ça va être chiant. Enfin, il va falloir que je traite l'information. Bon, je vais faire comme ça. Hop, donc on va sur Alice. On est sur Alice. Pay, on va payer l'invoice. Pay invoice. Et on va lui fournir un JSON. À mon avis, ça peut être un plusieurs formats de données. Mais là, je vais pas m'embêter, je vais faire un JSON. Et là, du coup, ce qui m'embête. Mais bon, c'est pas grave. Pay invoice. Pay lui. Oups. Pay invoice. C'était ça. Je retraite en fait parce qu'il y a des sauts de ligne et ça c'est gênant. C'est toujours chiant pour la lecture et ça peut poser des soucis. Donc j'ai retiré les sauts de ligne. On retourne chez elle. Paf. Et normalement. Alors peut-être. Bon. Ah bah ça aura pu marcher en fait. Invalid index of one. Aïe. J'ai regardé si, qu'est-ce que je peux lui fournir comme info. Pay invoice. On peut fournir aussi le hop ici. Le force, c'est pour ce que ils mettent force, c'est pour passer le la comment la requête de paiement. Attach custom data force de paiement tirer data custom JSON if set paiement update are printed. Ah, c'est juste ça, JSON. C'est étonnant. Je vais faire un truc là. Dina invoice. Ah non, tant pour moi. Bon, ça va en fait. Fallait pas envoyer le JSON. Je fais une bêtise. Faut juste choper la payment request. Cette valeur là. Hop. C'est le tirer JSON en fait qui m'a perturbé. Je croyais qu'il fallait lui fournir un JSON. Mais tirer JSON, c'est juste pour avoir en réponse un JSON. Donc un JSON, c'est un format de données. Celui-là que vous voyez là. Ou alors celui-là. Pour plus clair. Un format JSON. Tac. On envoie le paiement. Est-ce que ça a passé? Hop. Bon bah voilà. On a le problème. Nous avons le problème. Qui était attendu. Il n'y a pas de route entre Dina et Alice. Pourquoi? Pour rappel. Hein. Là, je sais pas pourquoi. Hein. Pour la raison, je sais pas pourquoi c'est pas, on l'a pas cette route. Enfin, pourquoi il manque lui, ce truc, ce que je vais vous dire là. Je sais pas c'est quoi la raison, mais la raison en tout cas de pourquoi on peut pas faire le paiement, parce que Alice ne connaît pas ce canal là, vous voyez. Elle ne connaît pas ce canal ici, et du coup elle s'est pas routée de là-bas jusqu'à Dina. Aujourd'hui c'est ça le problème qu'on a,
Et on peut le solutionner très facilement. Donc là, je vais contourner parce que je sais pas exactement pourquoi et j'ai pas envie de prendre plus de temps que ça non plus à chercher. Hein. Ce que je vais faire, je vais créer un canal entre Alice et Dina directement. Et on va le faire à la main, comme ça nous permettra de voir un peu les commandes pour créer un canal. Donc hop, je fais un petit help. Donc normalement, il y a add canal ou add channel. Open channel. Hop. Donc là, je vous montre en fait comment vous sans connaître le... Vous voyez, moi, LNCLI, je connais un peu, mais je connais pas tout par cœur. En fait, vous glanez l'information grâce à la documentation. Toujours un bon CLI, il a une bonne documentation. Et là, c'est le cas de LND. Hein. LND a une très bonne documentation. Donc là, j'ai fait un --help sur la commande open channel. Comme ça, j'ai plein d'infos. Donc déjà, qu'est-ce que ça fait? Open a channel to a node or an existing peer. Et après, donc, toute une description. Et surtout, comment on tape la commande. Ah voilà, c'est ici. Open channel, command option. Donc les command option, c'est tout ce que vous avez ici. Tout ça. Command option. Note key. Donc le note key. Note key, c'est le nœud du nœud avec lequel on veut se connecter. Local amount, c'est le montant local qu'on veut y mettre. Push amount. Je sais pas ce que c'est. On va voir si... Push amount. Note that specifying push amount means you give that amount to the remote node as part of the channel opening. Once the payment is open, the channel point is the funding output is returning. Je crois que c'est les fonds de réserve. J'ai un peu parlé de ce truc-là. On le verra peut-être plus en détail plus tard. Il me semble que c'est ça. C'est le fonds de réserve. Bon, du coup, on va mettre combien ? Le paiement de Dina, c'était un paiement de combien? C'était un paiement de 10 000 Satoshi. Donc on va mettre 100 000 pour avoir un peu de marge. On va mettre 100 000. Donc LNCLI, open channel. Le nœud de Dina, du coup, c'est avec Dina qu'on va l'ouvrir. Donc le nœud de Dina, je l'avais recensé ici. Le nœud de Dina. Ensuite, c'était quoi? C'était le montant. Donc j'ai dit je vais mettre 100 000, 100 000 sat, j'espère que je les ai. 100 000, 2, 3, 100 000. En push, on va mettre 10 000. Et là... Ah ouais. Eh ben, c'est peut-être pour ça qu'un peu pas routé, elle le voit pas. Ah oui, d'accord, je suis pas... Je sais pourquoi, en fait. Je suis pas en pire avec elle. Liz Pierce. Je suis que connecté avec Bob, donc je vais faire add peer. Je vais regarder la notice un coup. Il y a add peer normalement. Channel payment on chain peers connect. Donc pareil, je vais faire LNCLI connect help. Donc on voit comment on tape la commande connect pubkey host. Ah ouais, alors là, s'il faut que je tape Lost avec Docker et tout, je sais pas exactement ce qu'il va falloir. On va voir. Alors, je pense qu'il va me le donner ici. Parce qu'en fait, quand vous vous connectez à un nœud LN, vous connectez... Enfin, il faut pas juste son ID de nœud, en fait. Il faut ce qu'on appelle Lost. Ça, c'est bon, je l'ai recensé. On va le garder de côté. Il faut le host en entier. Donc là, j'ai son ID, c'est une première chose, mais il faut son host en entier. Alors, je sais pas s'il me le donne ici en entier. Je vais essayer de mettre son nœud, mais je sais que ça va pas passer. Enfin, je vais essayer avec un host, mais ça va être un peu compliqué à trouver avec Docker, là. Pubkey. Ouais, évidemment. Donc c'est vers Dina. Dina, ça a un port. On a vu ça dessus là plutôt. Alors, je vais essayer un truc. On va bien voir. At
On va d'abord essayer ça. Oula. C'est pas ça que je voulais faire. Non, c'était pas ça. Non. Donc là, ce que j'essaye de faire, j'essaye de me connecter à Dina. J'ai ajouté le pire Dina. Ah, je sais comment je vais retrouver facilement en réalité. J'ai regardé le script, comment ils avaient fait, tout simplement. Ça sera plus simple. Ok, peut-être que c'était pas ça. Je vais essayer ça, parce que j'ai vu que tout à l'heure il pouvait se connecter avec l'OS comme ça. Ok. Je pense pas qu'elle l'a ajouté là, c'est un peu bizarre. Alors, ah bah elle en a deux. A priori c'est bon. Bah c'est bon. Ouais, ok. Bon, elle est connectée avec Dina. On réessaie la commande. Je recherche à nouveau la commande pour ouvrir un channel. Est-ce que ça a marché? Voilà, ça a marché. On a un channel avec. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai connecté en pire avec Dina et j'ai créé un canal. Ça veut dire que j'ai rajouté un lien ici. Hop, il y a un nouveau lien. Donc du coup, ça veut dire aussi que si je décris le graphe, j'en ai un nouveau maintenant, normalement. Voilà, vous voyez? Maintenant, j'en ai trois. Un nouveau Edge, en fait. Un nouveau lien, quoi. Et ça veut dire aussi, du coup, je peux refaire le paiement pour faire le... pour payer la fameuse Dina. Voilà, Pay Invoice. Voilà. Pay Invoice, pour rappel, ça, c'est le hash de la requête de paiement de Dina que j'avais noté là. Paiement Request qui est là. Ou alors, qui était là. Hop. Qui était... Ouais, je suis Dina là. Voilà, qui était ici. C'est le paiement que j'ai créé. Alors, d'ailleurs, un paiement, ils expirent. Un paiement expire, ça veut dire que c'est limité dans le temps. Si ça se trouve, là, il a déjà expiré. Alors, je sais pas c'est quoi la limitation dans le temps, combien de temps dure une requête de paiement hein, sur LN. Ça se trouve, ça dure 1 minute, 10 minutes, j'en sais rien. Ça se trouve, il a expiré depuis, on va le voir. C'est parti, on lance. Ah bah, toujours failure. Ah bah, voilà. Reason none. Ça, c'est pas mal les erreurs comme ça qui sont, on va dire, self-descriptives, auto-descriptives. C'est-à-dire qu'on peut deviner ce qu'elle raconte comme erreur. Donc là, fail, reason, none. C'est-à-dire que... Bah, c'est marrant. Quand j'ai vu, j'avais compris dans un sens, mais en fait, là, c'est encore pire. Là, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas de raison. Moi, j'ai cru. Ah non, d'accord. Je me suis fait avoir. Bah ça a réussi, voilà, le paiement a réussi. C'est un peu bête de mettre un... En général, alors là, petit point technique, en général, quand il n'y a pas d'erreur ou quoi, on met pas le champ là, il n'existe pas. Mais eux, ils ont décidé de mettre un type reason none. Mais le problème, c'est que là, si on voit failure reason none, moi, ce que je comprends, on est en train de me dire qu'il y a une failure, il y a eu un problème. Bon là, voilà, c'est ça que j'aurais dû mettre éventuellement, failure nulle. Comme ça, on comprend nul, ça veut dire néant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Mais là, on voit, voilà. Succeeded, paiement réussi. Alice a fait un paiement vers Dina. Magnifique, magnifique. Et on peut voir que la balance du channel, on va regarder un peu le LNCLI List Channels. On peut voir un peu que la balance... Donc, pour rappel, j'ai envoyé... J'ai envoyé quoi? Je sais plus combien j'ai envoyé. 1 million? Ouais, 1 million peut-être bien. Et on voit là, local balance. Local balance. La balance locale d'Alice, elle a baissé. Pour rappel, j'avais mis 1 million en fondation. Et là, on voit qu'elle a perdu. Alors le 50, c'est les frais. Hein. Il y a eu les 50 de frais de routing. Du coup, elle a perdu... J'ai mis combien? Elle a perdu 100 000. Je crois que c'est ça. Elle a perdu 100 000. C'est normal, elle a payé 100 000. Elle les a pas perdus, elle a payé 100 000. Hein. Là c'est marrant, commit fee c'est la commitment transaction, la chose dont on avait parlé hier. Commit fee c'est ça, donc c'est les frais de la commitment transaction. Donc du coup voilà, elle a cette balance là et Dina forcément sa local balance va être plus élevée à elle par contre, parce que ça, c'est vers elle qu'elle a envoyé l'argent. Alice a payé Dina hein, tout simplement. List channel, je vais refaire la même ici. Donc là je suis chez Dina ici, c'est le nœud de Dina. Et on peut voir que
ça... Alors, local balance est à 0. C'est normal parce que là, c'est le canal entre Dina et Chan. Ok. J'ai fait un paiement, mais pas via ce canal. Il n'est pas passé par ce canal-là. Il est passé par ce canal-là, celui que j'ai créé récemment, entre Alice et Dina. C'est celui-là qui n'existe pas. Attendez. Longtemps que j'ai pas dessiné. Dessinons un peu. Paf. Noir. Moi, j'ai fait un canal. Voilà. Ici, j'avais mis... J'avais mis 100 000 sats ici. Donc sa balance à elle, c'était 100 000 sats. Et je crois qu'à Dina, j'ai dû mettre 0 du coup. Et du coup, voilà, il y a un channel. Et moi, j'ai fait le paiement via ce channel-là. Et donc, du coup... du coup, voilà. Là, ça, c'est le channel entre... Ça, c'est le channel entre Dina et Chan. Et en dessous, c'est le channel entre Alice... et Dina. Et donc du coup, ici par contre, on voit... Alors ça c'est bizarre. J'ai envoyé 20 000 ? Attendez, on va revoir, parce que j'ai pas souvenir d'avoir mis 20 000 ? Attendez, ouais, qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? C'est pire. Bah, j'ai mis 10 000. Alors est-ce que j'ai pas envoyé deux fois ? Oh, il s'est passé un truc très bizarre, je vous le dis. Je me demande si je l'ai pas envoyé deux fois, hein, pour qu'elle ait 20 000 là. Hein. Bah, ça sera à analyser, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. J'ai dû envoyer deux fois. Hein. Local balance, ah peut-être... Ah, peut-être qu'en fondation, elle avait mis 10 000 de base. Ah d'accord. Regardez, je sais pourquoi. Bon, j'apprends en même temps, hein, parce que c'est pas, j'ai pas forcément fait beaucoup ça, hein, les open channel et tout à la main. En général, j'utilisais une interface qui s'appelle RTL, peut-être je vous montrerai. Vous voyez, j'ai mis 10 000 ici. En fait, c'est pas les 10 000 de réserve. Je vous ai dit que c'est la réserve. A priori, c'est des 10 000 qui ont été... Donc, elle a créé... Ok, elle a créé un canal entre elle et Dina. Elle, Alice, elle a mis 100 000. Et Dina, en fait, elle a mis 10 000. Cette valeur-là, c'est la valeur demandée à Dina pour mettre, pour fonder le canal. Pour alimenter le canal. Donc, du coup, Dina, elle a mis 10 000. Donc, de base, elle a 10 000. Et avec Alice, là, j'ai envoyé 10 000. J'ai envoyé 10 000, ce qui lui fait 20 000 au total. Pour rappel, hein, le payment invoice, ici, il était de 10 000, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, bah, juste pour s'amuser, hein. On est là pour s'amuser ou pas ? LNCLI, je vais refaire la commande, create invoice, bah, je vais faire help parce que j'ai déjà oublié. Moi je m'amuse pas à retenir les commandes, hein. Les docs sont toujours là pour ça, hein. Parce que si on devait tout retenir, on s'en sortirait pas. En général on retient à force d'utiliser, genre Docker on retient parce qu'on l'utilise beaucoup, mais on peut pas tout retenir quoi, on peut pas s'amuser à tout retenir. Donc du coup pay invoice non, create invoice peut-être. Mais pourquoi ils l'ont pas mis dans paiement? C'est bizarre ça. Oups. LNCLI add invoice, et on va dire, on va mettre 1, 2, 3, 4, voilà, un invoice de 1234 Satoshi. Hop, j'ai mon invoice, je récupère payment request, donc le hash du paiement, et en ce coup-là, ça va être Dina qui va faire le paiement. Je pourrais le faire avec les autres, hein, attention, hein, c'est pas que Dina, hein. Là, je peux le faire avec n'importe qui, mais je vais le faire avec Dina, parce que, comme ça, ils ont un canal entre elles. Vous savez quoi, on va essayer avec un autre, juste pour voir si ça va trouver la route et tout. Normalement, oui, hein. Normalement, ils se connaissent tous, maintenant. Éclair, c'est Ellie. Donc là, je suis sur Éclair. Help. On va regarder comment on paye un invoice. List invoice, parse invoice, create invoice, payment, pay invoice. Alors, Éclair, c'est Ellie. Pay invoice. Hop. Un peu trop vite. Pay invoice. Éclair, c'est Ellie. Pay. Ah, bah, vous voyez là, leur doc, c'est un peu chiant du coup. Bah je sais pas, on va mettre ça du coup, pay invoice le hash direct.
Ah bah voilà, là c'est une doc un peu relou du coup éclair. Donc ça c'est la commande. C'est la commande que j'ai tapée, command line for éclair. Bon, on va regarder la doc d'éclair en fait, rapidement, j'espère que j'ai trouvé vite l'info. Hop, c'est parti. Donc ça, la doc, hein, c'est la base. Faut toujours consulter la doc, ça j'ai laissé ouvert. Toujours consulter la doc. Alors, je lis un coup ce que vous avez écrit. 10, c'est pas mieux de mettre à jour et de relancer toute la mayo? Non, non, en fait, DevCop Python, oui, ça aurait été mieux, on aurait pu solutionner ça en 2 secondes. Sauf que moi, j'aime bien découvrir en même temps, donc on y va à la dure. On y va à la dure, et c'est, je trouve ça mieux, plus intéressant. Si tu fais un canal entre Alice et Dina, ça ne va pas passer par les autres, non. Patrick, tu as parfaitement raison. Voilà. C'est passé directement du canal de Alice à Dina et c'est pas passé par tout le réseau. C'est pas passé par ce qui était prévu initialement. C'est-à-dire que c'est pas passé par tac, tac, tac. C'est passé par Alice Dina direct. Parce que le problème qu'on avait, c'est que Alice n'arrivait pas à reach, n'arrivait pas à atteindre Dina pour faire son paiement. Pour X ou Y raison. Je peux pas vous dire là maintenant pourquoi, je sais pas exactement pourquoi. Elle le trouvait pas. Donc là, c'est des questions de routing, hein. C'est assez complexe. Mais je pense qu'on le découvrira avec le livre plus tard, de toute manière. Voilà une bonne musique. Quentin, toi-même, tu sais. Alors, c'est parti. LNCLI. Ah oui, ça c'est un read the doc. Ça a été généré avec comment ça s'appelle? Slate doc. C'est pas mal, Slate doc. Payment. Create. Non, c'est pas create invoice, c'est attendez voir. C'est pay invoice normalement, non? Ah bah c'est peut-être dans paiement alors. Attends voir. On est dans paiement là. Et... Parse invoice, date invoice, create invoice. Comment ça y a pas scène paiement? Oui, qu'est-ce me raconte là, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui devenu le fou. Pay invoice. Mais y a pas. Ah, il est là. Je vois pas clair. Yes. Ouais, bah, par contre, là, c'est chiant. Oh non, non, leur doc. Écoutez, on va pas le faire avec clair. On va me baser sur Lightning. C'est quoi? Lightning CLI. Allez, on va essayer avec lui. Lightning CLI. Help. On va essayer avec lui. Parce que éclair, là, j'ai pas envie de chercher 20 ans. Comment on fait? Oh là là là. Eux par contre leur doc elle est chiante à lire aussi. Ah SendPay route. Oh aïe 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 aïe. Il faut carrément que je dise la route là bon. Vous voyez là on a une sorte de démonstration que. LNCLI c'est quand même vachement mieux hein. LND c'est quand même vachement mieux. Et c'est pour ça que le bouquin ils font les paiements avec LNCLI. C'est tellement plus simple. Écoutez, je vais le faire avec LNCLI. Franchement, sa doc, elle est tellement mieux faite, elle est tellement plus agréable. Ça, c'est un point important hein, quand on fait une solution, même CLI ou quoi. En gros, de toute façon, c'est toutes les questions de HUD, quoi. Interface homme-machine, UX, UI, etc. C'est extrêmement important de faire quelque chose de qualitatif, quand bien même c'est un truc technique. Hein. Là, vous voyez, LNCLI, c'est vachement propre, on se repère, on trouve ce qu'on cherche. C'est extrêmement confortable, donc on aura tendance à préférer cette solution-là. Donc voilà, ça c'est un petit point tech. Et LNCLI, honnêtement, j'aime bien, c'est pour cette raison-là. Hein. C'est que la doc, elle est très 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 simple à utiliser. Donc du coup, pay invoice, je mets le H, hein, que j'ai perdu de vue. Il est là. Donc LNCLI, pay invoice. L'invoice, alors je vais remettre les mêmes paramètres. JSON force. Et voilà, reason known. Hein. Bon, là, on a vu tout à l'heure, maintenant c'est succeeded. Parfait. Et donc, du coup, ça veut dire que. Ça veut dire que. Donc, ça, c'est son channel. On voit bien, ça balance. Vous avez son nom, j'ai mis 1, 2, 3, 4 pour bien montrer que. Avant, elle avait un chiffre rond. Bah, maintenant, vous voyez que ça a diminué. Et puis, ça termine par
Pardon, c'était là. Local balance, ça termine par un 6. Parce qu'avant, elle avait un 0, donc moins 4, ça fait 6, pour bien montrer que c'est bien ça. Donc hop, sa balance a diminué, évidemment. Et vous doutez bien, la balance de Alice. La balance de Alice. Donc Alice a bien reçu le paiement escompté, le paiement tant attendu de ces milliards de milliards de millions de Satoshi. La voilà riche désormais. Elle peut prendre sa retraite. Local balance, voilà. Elle a reçu le paiement. Quoique. Attendez voir. Pas normal. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà, elle a reçu son montant. Ça termine par un 4. J'avais un doute là. Je me demande ce qui se passait. Bah oui, mais tu Patrick, là, tu me dis il n'y a pas de tiré entre Hélène et Célie, mais tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est que Hélène et Célie, il n'y en a pas, tu vois, c'est attaché, mais par contre, Éclair, Célie, il y en a un. Et lui, bah lui, j'ai un doute aussi, il y en a un, voilà. C'est vraiment perturbant, hein, switch entre tous, là. Voilà, et je pense, de toute manière, pour la suite, on utilisera essentiellement LND, parce que Hélène et Célie, on l'a vu là, c'est quand même bien mieux foutu. Bien mieux foutu. Vraiment bien mieux foutu. Bon, très rapidement, j'ai fait un truc. Donc là, on a terminé. Le chapitre 4 est terminé. Et là, on va faire plus tard, hein, prochain live, chapitre 5, Operating a Lightning Network Node. Ah, ah non, je pensais qu'on allait faire plutôt du réseau, là. Alors, peut-être celui-là, on va le passer, en réalité. Oh, quoique, non, ça peut être intéressant. Bah lui, ça va être un sujet très ouvert, hein. Je le sens. Oh, par contre, il est long. Ah non, c'est moi qui ai fait une bêtise. Je vais trop vite. Oh si, il va être intéressant, en fait. Mais attendez, je loupe des chapitres ou quoi, là? Ou alors... Ah, il parle de Umbrell, eh. Alors, Umbrell, c'est marrant, parce que... Il y avait Lounès qui était passé, et Lounès, c'est le mec qui a fait Umbrell, enfin, ou en tout cas, il a travaillé sur Umbrell, et ils en parlent dans le livre. Umbrell. Bah écoutez, en plus, je comptais en parler de Umbrell, donc ça tombe bien. On parlera de Umbrell, alors. On parlera de Umbrell. Bah alors là, le chapitre, par contre, il va être long, il va falloir que... Ah ouais, d'accord. Il va être assez long. Oh, quoique, ouais. Le préparer bien, et puis voilà, on verra l'essentiel. Ok, donc là, le truc que je voulais faire maintenant. Hop, ça, j'ai fermé. Donc ça, c'est des articles que moi, j'avais écrits pour mettre en place un ELN que je tiens à jour, hein, qui est encore à peu près d'actu. C'est pas forcément les dernières versions de ELN et tout. Faudrait que je le remette encore un petit peu à jour. Donc voilà. Et moi, à chaque fois... En fait, ça m'arrive de revenir sur cet article-là, simplement, pour mettre à jour LN et Bitcoin. Voilà. Puis il y a des commandes, et je m'amuse pas à les retenir par cœur. Voilà, en l'occurrence, ici, tout ça, là, pour mettre à jour mon LN. Et là, je vais le faire maintenant. Donc, du coup, on va sur Lightning Network. Donc, pour aller chercher la dernière version, il suffit d'aller sur le repo là, de chercher le dernier tag, enfin, ou alors on va aller là un coup. Hop, vous allez dans tag, ici vous avez dernière version. Alors, RC ça veut dire release candidate. En général, bah, préférez quand même pas les RC, en tout cas pour un truc en prod. Préférez la dernière version. Bon, là c'est bêta, je crois que de toute façon c'est bêta depuis un moment. Moi j'ai regardé quelle version j'ai un coup. LND-version. LND version peut-être. Voilà. 0.13 hein, bêta. Alors là il dit ça, Active Chain, Bitcoin, machin, shutdown complète, bin address. Bon là déjà, parce qu'il a voulu le lancer, mais c'est pas important. Mon LND, si vous voulez, il est pas vraiment lancé parce que j'ai mon Bitcoin qui est en train de télécharger la chaîne, donc c'est pas très important.
Donc là, du coup, comment on retrouve les sources? Eh ben, on les cherche. Elles sont là. Alors, je crois que moi, je prends ARM... Je vérifie, j'ai toujours un doute. ARM V7, c'est celui-là. Donc, je copie le lien, parce que ça, en fait, c'est un lien de téléchargement. Je copie le lien de téléchargement. Et je vais faire un wget. Alors, je regarde un coup ce que j'ai là-dedans. C'est bon. Alors, wget, il va me le télécharger, tout simplement. Là, il télécharge. Ensuite, je vais le dézipper. VXF. Donc le zip là que je viens de télécharger, je le dézip ici. Ensuite, je vais l'installer. Donc là, moi, j'ai créé un groupe Bitcoin, un user Bitcoin, groupe Bitcoin. Et je vais installer les bins et tout dans les bons repos là. Alors des fois, il faut regarder si le chemin n'a pas changé. Il est bugué mon truc là. Bon, je crois que c'est... Bin, donc là, LND, LNCLI, on est bon. Donc du coup, je fais un sudo. Ah, il me faudra le mot de passe et je sais pas si je vais l'avoir du premier coup. Merde. Donc, Bitcoin pour le groupe Bitcoin. Et normalement, là, c'est le dossier. Enfin, c'est user local bin. Hop, c'est pas le bon. Ah, j'ai fait une faute. Eh, c'est marrant ce que je croyais que j'avais mis à jour ça d'ailleurs. Ouais, c'est bien USR, c'est pas user. Enfin, je vais mettre à jour. C'est pas user ici. Local bin. Et on va chercher tout ce qu'il y a dans LND. Je sais jamais si. Ouais, une étoile de ça revient même, je pense. Ok, on est bon, faut que je mette le mot de passe. Ah, c'est celui-là. Bon, attendez. Parce que ça, le mot de passe, je le connais pas, il est noté à la main sur une feuille. Or le mot de passe To Je pense que je vais faire. Je vais mettre en route. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà. Je vais recopier ça direct. Sans le sudo. Quoi? LND is not a directory? Qu'est-ce que j'ai tapé là? LND is not a directory? Taper à la main, ce que je j'arrive pas à voir. Ouais. Ouais. LND is not... Attendez voir. Bon là c'est bon mais c'est bizarre, c'était bizarre l'erreur, j'ai pas bien compris. Hein. Bon là clairement il l'a mis à jour parce que cette erreur là elle est nouvelle. Je peux le faire avec LNCLI je pense. Ouais bon clairement il me l'a mis à jour, hein. J'aurais des nouvelles qu'on fait à faire je pense. Il va dire la même chose. Ah non. Ah, il a pas mis à jour. Bon, je regarderai. Il n'a pas mis à jour, je sais pas pourquoi. Ah, quand je tape le truc.
Non, non, bah c'est. Je pense qu'ils ont peut-être éventuellement changé la structure de. Parce que ça arrive, des fois, ils changent la structure des dossiers et tout. Ouais, c'est étonnant. Bon, je verrai plus tard, ça. La taille de la blockchain a blanchi, il faut que le disque soit plus grand, je crois. Non, non, mon disque. Il est grand. Hein. Il est là, mon disque. Enfin, il est grand. Ah oui, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il faisait 500 gigas. J'ai attends, attends, il fait plus que ça quand même. Non, c'est un disque de 1 Tera, tu vois. Là, j'ai encore 562 gigas de place. Et j'ai déjà pris 308, tu vois. C'est le volume Bitcoin ici. Donc, tu vois, j'ai, je suis bien. Hein. Non, non, mais. C'est juste, ça prend du temps, mais faut que je regarde. J'ai pas pris le temps, si vous voulez, de regarder. Je sais pas pourquoi, j'ai pas encore pris ce temps-là. Il est vraiment lent, là. Ça fait 20 ans que je suis. Il met 20 ans à prendre ne serait-ce que 1% le truc, là. Donc voilà, c'est un peu long. Bon, c'est tout pour ce soir. C'est tout pour ce soir. Il est déjà. Oh là là, il est minuit 42. Bordel. Minuit 42. C'était pas mal. En tout cas, il était fun. Beaucoup moins éreintant. C'est pas cette scène que je voulais mettre. Beaucoup moins éreintant que le live d'avant. Le live d'avant, il m'avait cassé la tête. Là, beaucoup moins. Tu disais qu'il fallait un disque de 500 gigas. Oui. Non, 500 gigas, c'est toujours bon. Hein. 500 gigas, t'as toujours la blockchain. C'est vrai que maintenant, ça peut commencer à être un peu limité. Mais t'es quand même bien. Hein. T'as quand même de la marge. Attends, je vais retourner un coup sur la scène là. Bitcoin, blockchain size. Je sais pas si. Il doit avoir des sites pour avoir l'info facilement, mais bon. Voilà, 300. Tu vois, t'as quand même une marge. Hein. T'as 300, 324 gigas. Donc. Bref, honnêtement, moi, il y a un truc qui m'intrigue à chaque fois. Je t'avoue que j'ai jamais vraiment compris non plus ça. Tu vois, là, je prends déjà 308 gigas. Alors que j'ai pas terminé de télécharger la blockchain. Donc il y a un truc curieux, hein, je sais pas si dans mon disque, et non, et le disque j'ai commencé vierge, donc c'est vraiment Bitcoin qui me l'a chargé là. Et pourtant je suis déjà proche de là, alors que j'ai pas l'intégralité de la blockchain. Ce qui est assez curieux, hein. Moi franchement, des fois, va falloir que je comprenne un peu plus pourquoi, parce que je sais pas exactement. Hein. Je sais pas exactement pourquoi ça correspond pas à la valeur qui est annoncée. Hein. Tiens, alors là on voit, c'est un 1 Tera, enfin 1 Tera moins 84 gigas quoi. Pas mal. Donc voilà, tu vois, normalement, si c'est vraiment 324, 500 gigas, t'as de la marge. Donc ça va. Ça va, on est bien. Alors du coup, prochain live, on va voir plein de choses. Je pense qu'il sera à la cool parce que ça va être en mode découverte. Il y a plein de trucs que je vais passer, il parle de VPS et tout. Je vais pas trop en parler de tout ça. Je vais faire un peu comme l'autre live d'avant, c'est-à-dire je vais surligner des trucs. Mais il y aura peu de trucs théoriques si vous voulez. Ça sera des trucs simples, on va découvrir quelques petites choses, genre le Raspi Blitz. Alors tout ça c'est des trucs que moi personnellement je n'ai pas utilisé. Mais je vais le découvrir en même temps, enfin, pas en même temps que vous, parce que je lirai le livre avant. Mais en tout cas, je le découvrirai quand je lirai le livre. Umbrel, pareil. Umbrel, je connais, mais jamais utilisé. Ah, il parle de BTCP serveur, ça va être intéressant. Voilà. Donc en gros,
prochain live, ça va être un peu une sorte de listing pour avoir un ELN. Et aussi, a priori, il parle aussi de comment intégrer un ELN. Voilà. Donc, en gros, un peu l'article que j'avais fait. Hein. Clairement, c'est dans la même démarche. Là, ils ont même un truc using Tor et tout. Donc, faire un ELN avec Tor. Ça, je pense, je le survolerai assez vite parce que j'ai déjà mon article qui l'évoque. Donc, encore une fois, j'essaierai de choper les informations intéressantes. J'extirperai et que je livrerai. Telle est ma mission. Ah oui, il y a des schémas intéressants. Il y a des schémas intéressants. Et après, on sera à la partie 2 et on sera, j'ai l'impression que ça sera la moitié du livre. Voilà, ça veut dire qu'il restera encore... Il y a des chances que le livre il soit terminé. Au mois de mars, quoi, mi-mars. À ce rythme-là, ce qui est cool. Et là, ça voudra dire qu'à la fin, nous maîtriserons, toutes les personnes qui ont suivi le live, maîtriseront le Lightning Network, parce que le livre s'appelle Mastering the Lightning Network. Ce qui est annoncé, c'est ce qui est apporté. Normalement, hein, si les choses sont bien faites. Mais moi, je fais confiance à Andreas Antonopoulos. Il a fait des conférences très intéressantes. Si vous voulez taper un petit coup son nom sur internet, il y a des trucs très intéressants. Qui datent maintenant d'ailleurs. Enfin, il en a refait sûrement d'autres, mais en tout cas maintenant ça date. En tout cas les anciennes. Bon, merci d'avoir été là. Dimanche, c'est assez calme. Alors est-ce que je referai dimanche? Je verrai. Moi, en tout cas, c'était cool. J'ai bien aimé. Merci d'avoir été là. Merci Patrick pour tes interactions et tes questions bien pertinentes. Merci aussi à DevCode Python, pareil pour tes interactions, etc. Puis merci à tout le monde d'être passé. Je vous dis à plus tard, je sais pas quand, mercredi je pense. À voir, on verra bien. J'ai le temps de préparer le live ou quoi. Mais normalement, non pas mercredi pardon, je dis une bêtise. C'est plutôt jeudi soir. Et on verra bien. Pas de certitude, hein, vous verrez bien de toute façon. Ça sera lancé. Et j'ai oublié mon café là, il y a un café froid. J'avais fait un café, j'ai oublié. Pris dans le vortex de corriger ce problème de canal entre Alice et Dina là. Aïe 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 aïe, quel calvaire. Bon, je vous dis à bientôt, jeudi peut-être, vous verrez bien de toute manière. Voilà, bonne soirée, bonne nuit, bonne plein de trucs.